see you did it. Dreams, yeah, they made you bleed, but you never stopped believing. When your heart's been open to someone who's broken, let me take some weight off of you. When you're tired of living like you're not forgiven, let me share that burden with you. You think you're losing Go. Hop là, c'est bon. Hello, hello, bonsoir à tous. Je sais pas s'il y en a qui nous entendent. Si vous pouvez nous faire un petit signe pour ceux qui suivent. Si vous nous entendez. Toi, tu m'entends bien, Steve ? Ouais, moi je t'entends bien, c'est good. Parfait. Bon, alors pour ceux qui sont là, déjà merci d'être là. Je ne sais pas si vous avez suivi du coup la dernière masterclass de la semaine dernière où on a parlé avec Vincent alias The Frenchie et avec toi Steve. Du coup, on a parlé un petit peu de la théorie, de tout ce qui pouvait se faire autour des streams pour les DJ pour qu'ils améliorent un petit peu la qualité des lives qu'ils peuvent proposer. Donc, non pas sur Facebook, mais plutôt sur Twitch, justement, pour éviter de se faire un peu striker à cause des droits d'auteur, etc. Yes. Donc, tu nous as donné plein de trucs et astuces, Vincent également. Et aujourd'hui, on va un petit peu les mettre en pratique et tu vas nous montrer concrètement comment on fait. Donc, je te laisserai d'abord te présenter un peu, Steve, qui es-tu, ton background, et tout ça. Yes, du coup je me représente comme la semaine dernière, du coup je suis Steve, j'arrive sur mes 30 ans, je suis vidéaste par passion, enfin c'est aussi mon métier en tant que second métier, du coup je réalise tout ce qui est after movie, ce genre de choses, pour que ce soit les DJ, pour Apple et compagnie. J'ai principalement tout appris moi-même en fait, de mon côté. Et je suis également streamer de temps à autre, j'ai entre autres géré la web TV de In Harder Style, donc tout ce qui était partie stream In Harder Style avant, c'était moi qui l'a géré, maintenant je les ai laissés en autonomie. Mais voilà, du coup je m'occupe de tout ce qui peut être vidéo, j'essaie de m'en occuper et de donner des tips à tout le monde pour essayer de faire ce qu'ils ont envie. D'accord, c'est super. Ouais, la semaine dernière c'était vraiment cool, hein. On avait eu pas mal de monde, pas mal de réactions. Je reconnais, il y a Stunter qui était là la semaine dernière, bonsoir à toi. Bon bah du coup ce soir on va parler un petit peu dans un premier temps de la prise en main, du coup d'OBS, hein, très clairement on va parler que de ça ce soir. Yes. Ensuite tu vas nous parler un petit peu des paramètres audio. Ouais. Et puis on va passer pour finir à la lumière et tu vas nous donner un petit peu des tips tout au long de la soirée pour améliorer la qualité de vos lives. Tout à fait, exactement. Bah du coup on va démarrer. Donc ce soir, comme l'a expliqué Solène, on va parler essentiellement de OBS parce que c'est gratuit.
et que du coup c'est accessible à tout le monde contrairement aux autres. Il a pas mal de fonctionnalités qui sont largement suffisantes pour 90% des personnes, on va dire, surtout à notre niveau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser OBS. Du coup, petite piqûre de rappel, donc on va faire step by step. On va vraiment commencer le premier chapitre. On va commencer sur la configuration d'OBS. Donc je vais vraiment montrer le béaba d'OBS parce qu'il y en a certains peut-être qui ne connaissent pas OBS. Ensuite, on parlera, comme elle expliquait, de l'audio. Donc là, je vais vous montrer un petit peu du matériel et de la configuration, et on terminera par tout ce qu'est la lumière. Donc pour commencer, je fais une petite piqûre de rappel en termes de site web. Du coup, OBS est téléchargé sur le site OBS Project. Il est disponible sur trois plateformes, qui sont Windows, Mac et Linux. Mac, il est un peu particulier dessus, donc voilà, Mac, je recommande pas. Merde, hein, Je recommande pas forcément de streamer sur Mac parce qu'il y a beaucoup de limitations, mais ça fonctionne en tout cas sur Mac, ça existe, ça a le mérite d'exister quand même. Donc voilà, et il y a également un autre software qui s'appelle Streamlabs OBS, qui est en fait une autre version de OBS, un peu différente, qui a été créée par du coup la société Streamlabs. Qui est également en charge de tout ce qui est la partie notifications, alertes, chatbox et compagnie. Du coup, aujourd'hui, on va parler uniquement de la version classique OBS. Juste pour vous résumer un petit peu la différence entre les deux, le software qui est fait par OBS même est totalement mis à jour en dernière version. Donc c'est eux en fait qui développent les dernières versions, et après Streamlabs OBS petit à petit intègre ces nouvelles versions dans leur application à eux. Il y a une grosse différence majeure entre les deux, c'est que Streamlabs OBS, que OBS normal, donc Studio, permet d'avoir des plugins, ce que Streamlabs OBS ne permet pas. Donc voilà, Streamlabs OBS est un peu plus fermé que OBS tout court, du coup. Et du coup, selon vos besoins, il faudra utiliser soit l'un, soit l'autre. Ça dépend en fait des besoins de chacun. En termes de gaming, on utilise beaucoup plus Streamlabs OBS généralement, parce qu'on a le chat intégré, les alertes, etc. Donc c'est plus simple de retrouver tout ce qui est les informations. En dehors du gaming, on peut utiliser l'un ou l'autre. Ça change pas grand chose au final. C'est à vous de trouver votre meilleur software entre les deux. Donc du coup, voilà pour la piqûre de rappel entre les deux softwares. Pour tout ce qui est la partie plugin, en fait, ça se passe sur le forum de OBS. Donc c'est sur leur site encore officiel, et vous avez une tonne de plugins qui est fournie par la communauté, qui va de webcam virtuelle, comme vous pouvez le voir, à l'accès à piloter son OBS par son téléphone ou à d'autres filtres, etc. Donc voilà. Donc on va commencer par ouvrir OBS. Donc OBS, quand il s'ouvre, il ressemble à ça. Donc c'est une interface assez minimaliste en soi, qui est pas très compliqué à comprendre, mais il y a quelques subtilités qui peuvent être assez intéressantes à connaître. Donc quand vous ouvrez OBS, vous arrivez du coup sur la page standard d'OBS, et déjà on va regarder 2-3 trucs en termes du menu du haut du logiciel. Donc je vais changer de scène pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, normalement vous devriez voir la grande scène maintenant. Ah oui, faut que je réduise mon bureau 2 secondes, excusez-moi. Hop, je sais pas pourquoi il s'est agrandi. Voilà. Ok. Alors bah, attendez. Hop. Voilà, là on devrait, voilà, vous devrez tout voir. Donc du coup, sur OBS, en termes de menu du haut, il y a 2 menus qui sont super intéressants à voir dès le début, qui sont les profils et les collections de scènes. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les profils, ça va être vraiment la configuration globale du software, donc tout ce qui va être, c'est pas vous streamer sur différents chaînes Twitch, ce genre de choses, il va falloir changer de profil, ce qui vous évitera à chaque fois de devoir changer les clés, ce genre de choses. Le fait de changer entre les profils, c'est super simple, et ça vous permet de récupérer une configuration d'OBS directement, sans avoir à chaque fois à reconfigurer. Et la collection de scènes, c'est tout ce qui va concerner les scènes et les sources. Du coup, c'est un peu le même principe selon les concepts que vous allez lancer, ce genre de choses. Il peut être intéressant de switcher de scène plutôt que de tout refaire ou d'avoir des dizaines et des dizaines de scènes, ce qui peut vite devenir problématique pour se repérer. Du coup, on va créer plutôt des collections de scènes et switcher entre les collections de scènes. Donc, par exemple, les collections de scènes, ça va être par exemple Halloween, Noël, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on filtre un peu les collections de scènes. Les scènes sont exportables et importables, donc c'est plutôt pas mal quand quelqu'un configure une interface, ce qu'on appelle un overlay, et le partage à l'ensemble, par exemple des DJ qui vont mixer sur la même chaîne. Comme ça tout le monde se retrouve avec la même configuration, vous avez juste besoin d'ajouter webcam, etc. et c'est déjà prêt à l'emploi.
Du coup, on va commencer par la configuration d'OBS, donc par les paramètres, qui est la base en premier à faire. Donc, sur l'onglet général, je ne vais pas vous expliquer grand-chose, parce que ça, c'est un peu... Il n'y a pas grand-chose à expliquer, en fait, à cet onglet-là, c'est un peu les goûts, les couleurs de chacun. En termes de stream flux, bah là, c'est très simple, c'est ici que vous allez pouvoir configurer... tout simplement la connexion à votre compte Twitch ou Restream ou Facebook, enfin voilà, vous avez tout un nombre de services accessibles selon vos besoins, bien évidemment. Il suffira de simplement choisir le service en question, de se connecter et ensuite vous pourrez simplement cliquer sur le bouton stream pour streamer. Donc ça c'est pour la partie streaming. Nous aujourd'hui on fait sur Twitch, maintenant voilà, c'est par exemple Restream.io comme j'avais indiqué la semaine dernière, qui permet tout simplement de pouvoir diffuser le flux sur plusieurs plateformes, qu'ils soient Facebook, YouTube et Twitch en même temps. Ça peut être super sympa pour avoir des communautés un peu à gauche et attirer des viewers par-ci par-là. Au niveau de la sortie, donc c'est là qu'il faut le maximum configurer votre OBS, parce que c'est là que ça va jouer sur la qualité de votre stream tout simplement. Donc on va voir ça. Vous avez deux modes de sortie, vous avez le mode simple et le mode un peu expert. Pour démarrer, utilisez le mode simple, ça suffit amplement et vous n'avez pas besoin d'aller dans les paramètres experts. Généralement, ça fonctionne très bien avec les paramètres simples. On va commencer du coup par la partie débit vidéo. Alors je regarde quand même les commentaires. On voit que dalle. Vous voyez mal ? Ouais, c'est parce que j'ai limité la qualité et du coup j'ai un peu peur que ça soit trop limité. Ah, je vais essayer de zoomer, c'est pas grave, je vais essayer de zoomer au fur et à mesure. Voilà. Parce que ça va un petit peu... Ouais, c'est mieux là, je trouve. Ouais, ça va un petit peu rentrer justement avec le sujet que je vais vous expliquer tout de suite, qui est que justement le débit vidéo correspond à la qualité. Donc on va pas s'occuper de la partie enregistrement, ça je vous laisse la gérer, de toute façon il suffit simplement généralement de choisir l'un des trois paramètres prédéfinis et vous aurez largement de quoi pouvoir enregistrer sans problème, sans mon aide. En tout cas au niveau du débit vidéo, donc le débit vidéo qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le bitrate en anglais, c'est tout simplement la quantité de données que vous allez envoyer au serveur. Plus elle est grosse, meilleure sera la qualité bien évidemment, sachant que ça dépend de votre connexion dans un premier temps. Et ça dépend également, faut avoir cette réflexion de se dire que ça dépend des viewers qui vont vous regarder. C'est-à-dire que si vous mettez trop haut, les gens qui n'ont pas un gros internet ne vont pas réussir à regarder, parce qu'en fait ça va faire que charger continuellement parce qu'ils n'auront pas assez de connexion. Et si vous mettez trop bas, et ben en fait ça va être pixelisé. Donc parce qu'en fait le flux sera trop compressé par les serveurs, par le débit que vous avez envoyé, et du coup ça va être pas très beau. Donc imaginez ça comme un tunnel, donc plus c'est gros, mieux c'est, plus c'est petit, plus ça va être confiné, et du coup ça va être moins beau. Du coup pour adapter votre qualité selon vos besoins, il y a des pages disponibles pour Twitch, YouTube et Facebook, parce que chacun a ses propres paramètres, ça malheureusement ils n'ont pas tous utilisé les paramètres universels pour tout le monde. Donc il y a trois pages que je vais vous ouvrir maintenant. Donc il y a la première qui est du coup celle de Twitch, qui recommande un petit peu les paramètres à appliquer selon la résolution, parce qu'il y a aussi la résolution qui joue et les FPS que vous voulez mettre. Donc même principe, les FPS, plus vous mettez d'FPS, plus c'est fluide. Par contre en contrepartie, vous allez avoir besoin de plus de bitrate pour compenser la quantité de flux pour que ça soit de meilleure qualité. Moi, ce que je recommande, si vous avez une très grosse configuration avec une bonne connexion, vous pouvez mettre 1080p. Par contre, quand on fait des live DJ, ce genre de choses, le 720p dans la majorité des cas suffira amplement. Je suis pas hyper convaincu que vous ayez besoin de vous mettre en 1080p, donc en Full HD, ce qu'on appelle la résolution Full HD, parce que ça demande du coup d'avoir beaucoup plus de débit et... Finalement, on vous voit que mixer, il n'y a pas beaucoup de mouvements, ce genre de choses. Pour ma part, en tout cas, j'estime que c'est pas forcément nécessaire d'aller sur la plus grosse qualité. Ça dépendra après, évidemment, de votre connexion et de votre PC pour pouvoir le faire. Donc, plus vous allez streamer en haute qualité, plus il va falloir avoir une grosse configuration. Donc, ça, c'est un fait. Et une plus grosse connexion également. Du coup, la résolution moi, que je vous conseille, ça sera du coup le 720p à 60 fps.
Parce que déjà, elle ne demande pas énormément de bitrate, elle ne demande que 4500, ce qui correspond à 4,5 mégas en upload, donc en débit montant. Attention, ce n'est pas le débit de téléchargement, c'est le débit d'envoi. Donc vous avez des sites comme Speedtest, ce genre de choses pour tester. Et du coup, c'est pas très gros, et la plupart des gens, que ce soit sur un téléphone, ce genre de choses, n'est pas forcément correspond à peu près à ce débit là, c'est à dire que même la 4G, ce genre de choses, peut tenir 4500. Le 6000, ça devient un peu plus compliqué, sachant que quand vous êtes à un certain stade sur Twitch, ou que ça soit affilié partenaire, donc c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière, donc c'est des statuts un petit peu avec des contrats qu'on a avec Twitch, vous avez en fait ce qu'on appelle un transcodeur qui va vous permettre en fait de monter ou baisser la qualité, donc les fameux paramètres vidéo de qualité. Tant que vous n'êtes pas affilié à minima sur Twitch, vous n'avez pas accès à ce paramètre. Donc c'est-à-dire que le flux que vous envoyez, c'est ce que les gens vont voir. Donc ils ne pourront pas adapter selon leur connexion. Donc c'est pour ça que c'est très important, tant qu'on n'est pas affilié à minima sur Twitch, de bien configurer son OBS au début. Après, vous pourrez partir à 1080p à 6000. De toute façon, les gens ils régleront la qualité si jamais ça lag de leur côté. Du coup, moi je vous recommande le 720p à 60fps, 4500 bitrate, ils recommandent Twitch minimum, c'est-à-dire que ça c'est le minimum, c'est pas la moyenne, c'est le minimum, il faut 4500 pour que ça soit un beau flux, en 720p, donc 1280x720. On utilise ce qu'on appelle le CBR, donc là vous le voyez pas sur OBS, mais en fait c'est ce qui est configuré par derrière. Le CBR, c'est ce qu'on appelle le constant bitrate, donc c'est-à-dire qu'on envoie de manière continue 4500. Le framerate du coup 60fps, donc comme j'ai expliqué, plus il y a de framerate, plus c'est fluide. Après bien évidemment, il faut que vous ayez les webcams etc. qui le fassent, il n'y en a pas beaucoup qui font du 60fps, donc le 30fps peut largement suffire pour la plupart des cas. Je vous montrerai tout à l'heure en tout cas comment configurer sa cam pour qu'elle soit en bonne qualité, peu importe qu'elle soit 30fps ou 60fps, je vais vous montrer les meilleurs paramétrages. Donc ça, pour moi, pour tout ce qui est DJ, le 720p généralement va suffire. Quand vous allez commencer à faire un petit peu des trucs, des streams intermédiaires, donc c'est-à-dire, imaginons que vous voulez faire un peu de gaming, ce genre de choses, je vous recommande la meilleure de résolution qui est le 900p. C'est une résolution qui est intermédiaire entre le 1080 et le 720p, mais qui est de meilleure qualité. Parce qu'en fait, le problème avec Twitch, c'est que 1080p, même à 6000 de bitrate, c'est pas suffisant en vrai. Parce qu'en fait, la 1080p consomme énormément. Oui, il y a des streams aujourd'hui qui sont assez corrects en 1080p, mais en fait, en vrai, c'est très difficile de tenir une belle 1080p, et on est très loin sur Twitch aujourd'hui, ou que ça soit sur Facebook, de pouvoir tenir de la 4K. C'est aujourd'hui quasiment impossible, il n'y a que YouTube presque qui le permet, mais là, il faut des débits monstrueux, et du coup, ça vous avantagerait pas du tout. Donc, 920p si vous faites des choses variées, sinon 720p suffira amplement. Mais ça dépendra bien évidemment de votre configuration et de votre connexion. Donc moi, ce que je mets généralement, donc là on va partir sur de la 720p, on va partir sur de la 30fps, parce que je vais essayer de partir sur une configuration qui est similaire à tout le monde, donc 720p, vous voyez que c'est que du 3000 kbps pour du 720p à 30fps, donc c'est assez bas, il suffit seulement d'avoir 3 mégas en upload, donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent le faire, donc on va mettre 3000. En termes d'encodeur, il y a deux encodeurs, du coup il y a le X264 et il y a le NVENC. Alors ça dépend en plus, ça dépend de votre carte graphique. La différence entre les deux, donc le X264, ça va utiliser votre processeur de votre ordinateur, donc il faut avoir une grosse configuration. Et le NVENC, ça va utiliser votre carte graphique. Il faut savoir que votre carte graphique, donc qui est une NVIDIA, si vous êtes chez AMD, il y a un autre encodeur que je ne connais pas. Mais en tout cas, chez NVIDIA, ça s'appelle le NVENC. Et du coup, il a une fonctionnalité qui permet d'encoder et de décoder les flux, qui n'est pas utilisée, peu importe si vous jouez, etc. Ce n'est pas utilisé. C'est des choses qu'on utilise seulement quand on fait de l'édition vidéo ou de l'enregistrement. C'est des fonctionnalités qui sont utilisées que dans ces phases-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec OBS, on peut s'en servir. Et ce qui n'impactera pas votre jeu, par exemple, si vous faites du jeu. Donc, que ce soit du gaming ou du DJ, essayez de prioriser votre utilisation carte graphique avant le processeur, parce que c'est beaucoup moins gourmand, et faut savoir que votre processeur, il n'est pas utilisé seulement que pour streamer, il va être utilisé pour utiliser tout ce qui se passe autour de votre PC, donc la musique par exemple, les logiciels, ce genre de choses. Et si votre processeur est surchargé, ce qui va se passer, c'est que la musique, elle va saccader par exemple, votre webcam, elle va pas bien marcher, parce que du coup, elle n'aura pas assez de processeur pour fonctionner,
tout ce genre de choses, tout cet écosystème autour va faire que ça va bugger. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser une carte graphique qui elle ne sert à rien pendant le stream, donc autant en profiter. La différence par contre, il y a une différence majeure, c'est que le NVENC, contrairement au ISO 64, a une qualité un petit peu inférieure. Donc des fois il faut un peu compenser pour une bonne qualité par rapport au ISO 64, mais bon, il faut faire le choix entre la qualité et les performances. Moi je vous dirais toujours privilégier d'abord la performance, parce que quelque chose qui saccade, surtout si c'est la musique qui n'est pas propre, ça va être très dérangeant pour vos viewers. Donc privilégiez d'abord la carte graphique avant d'utiliser le processeur. Voilà, ici c'est tout ce que vous avez configuré. Le début audio, vous allez mettre 160. Et pourquoi on ne met pas au-dessus? Parce qu'en fait, Twitch ne gère pas au-dessus. Donc ça sert à rien de vouloir aller au-dessus. Il gère uniquement le 160, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie quand même, mais il me semble que c'était 160. Il ne s'est pas écrit ici. Mais voilà, Twitch gère pas une grosse qualité audio. Parce que en fait, ce qui priorise, c'est absolument la vidéo. Parce que c'est une plateforme de streaming vidéo à la base. Donc voilà, faut pas monter trop, ça sert à rien. Et ce qu'il faut savoir, que ce soit en termes de bitrate ou de qualité audio, si vous mettez à fond, en fait, en soi, c'est de la ressource perdue sur votre ordinateur, parce que Twitch va pas les utiliser. Il va les compresser et il va harmoniser pour que ça soit au bitrate que lui il a besoin. Donc ça sert à rien d'envoyer trop. Par exemple, si vous voyez, j'envoie au-dessus de 6000 en bitrate, bah il va prendre que 6000 au total, donc tout le reste c'est du perdu. Pareil pour l'audio, si vous mettez trop, bah tout le reste c'est perdu. Donc ne surchargez pas pour rien votre flux, parce qu'en plus, plus vous le chargez en termes de qualité audio et de bitrate, plus il va vouloir envoyer. Ça sert à rien de le charger. Mettez le strict minimum qui sert à fonctionner, faites des tests et vous verrez qu'en fait, ça sera largement suffisant pour tout le monde. On n'est pas dans une qualité studio, hein, clairement, c'est du streaming, donc il faut adapter quand même la configuration. C'est à peu près tout ce qu'on a vu en termes de la sortie, de la partie sortie. Donc voilà, vous avez configuré tout simplement votre bitrate, l'encodeur à utiliser et le débit audio. On va regarder au niveau de l'audio ici, donc là il y a une autre case audio. Normalement ici, c'est ici qu'on va configurer ces périphériques. Maintenant, moi je vous conseille pas de les configurer ici, je vous montrerai une autre manière de les configurer qui est beaucoup plus adaptive que cette partie-là. Parce qu'en fait, si vous configurez vos périphériques audio ici, que ce soit du coup les haut-parleurs ou le micro, c'est applicable sur toutes les scènes du stream. Or, c'est pas forcément ce qu'on veut. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, quand j'ai mis la page de début de ce stream, donc où il y avait le compteur, bah, je voulais pas les micros. Donc si j'aurais mis ici les micros, vous les aurez entendus, ou j'aurais dû les muter, donc les mettre en silence sur le mélangeur audio, ce qui est embêtant. Vaut mieux les gérer par scène, et ça je vais vous montrer après comment le faire. Donc ici on met tout désactivé, c'est un conseil. Vous laissez en fréquence d'échantillonnage le 44 kHz, qui suffit simplement, et en canaux stéréo. On passe sur l'onglet vidéo, donc c'est ici en fait que vous allez configurer plusieurs choses, du coup la taille de votre écran, de la disposition de votre overlay. Ensuite il y a la taille de sortie, donc ça c'est la taille de la vidéo qui va être envoyée au serveur, et le nombre de FPS que vous allez envoyer. Donc la résolution de base, le Canva, donc en fait c'est ce qui va servir à placer les éléments, c'est une sorte de grille en fait finalement pour placer les éléments. Donc c'est pas l'image que vous allez envoyer, et elle n'est pas obligée de correspondre à votre résolution d'écran. Vous pouvez mettre 2K par exemple, il n'y a pas de problème, ça va le gérer, ça va faire une grille beaucoup plus petite, vous allez pouvoir passer des éléments par exemple beaucoup plus finement sur l'interface, donc vous allez pouvoir mieux gérer un petit peu la grosseur des éléments. Donc voilà, n'hésitez pas à monter ce paramètre. Par défaut il vous l'affichera pas, enfin moi il l'affiche parce que j'ai un écran 2K, mais si vous n'avez pas l'écran 2K, il vous l'affichera pas. Sachez que ces champs là sont saisissables à la main. Vous voyez, je peux écrire ce que je veux dedans en mettant des résolutions que je veux. Bon là forcément il va me dire que je suis trop gros, mais voilà, vous pouvez saisir à la main ou choisir les choix prédéfinis. Par défaut 1920x1080 est déjà une bonne résolution de base pour placer ces éléments, donc je pense que c'est à peu près idéal pour tout le monde. Vous n'avez pas forcément besoin de partir au-dessus, 2K c'est encore mieux entre guillemets pour mieux placer, mais déjà commencer par du 1920x1080 sera largement suffisant. Et si jamais vous avez un écran trop petit, donc par exemple tout ce qui est les Mac etc. qui ont des résolutions un petit peu non standard, n'hésitez pas à l'écrire à la main du coup pour mettre la résolution 1080 par défaut. On respecte toujours le ratio d'image qui est du 16:9, parce que c'est l'idéal aujourd'hui, tous nos écrans sont quasiment tous en 16:9, que ce soit les téléphones, les écrans d'ordinateur de vos tours. Les PC portables, la majorité sont en 16:9, les télés aussi. Il y a quelques écrans qui sont pas vraiment en 16:9, mais c'est pas grave, ça va s'adapter à peu près. Les softwares s'adaptent à peu près à la résolution 16:9.
Ensuite, on passe à la résolution de sortie. Donc là, c'est vraiment ce que vous allez envoyer au serveur, donc à Twitch, à YouTube, à Facebook. Donc c'est ici que vous allez vraiment définir la taille de la vidéo que vous voulez envoyer. Donc comme je vous ai expliqué, nous, on veut mettre du 720p, donc on va mettre du 1280x720. Donc là, vous avez toute une liste de choix, pareil. Et du coup, il y a aussi le 1080p. La résolution 900p, elle n'est pas accessible par défaut dans cette liste de choix déroulante. Je sais pas pourquoi OBS l'ont pas mise, bref. Du coup, il faut la saisir à la main. Et pour la saisir à la main, il suffit de suivre tout simplement la page Twitch, comme vous pouvez le voir ici, 900p. Et ici, vous avez la résolution, qui est du 1600x900. Donc il suffit simplement de mettre 1600x900, d'écrire à la main, et vous voyez... non, c'est par 900, pardon. Et vous voyez qu'en fait, à droite, il m'indique bien que je suis dans un ratio 16/9 sans problème, donc c'est bien une résolution 16/9. Et elle est saisie comme ça ici, et j'enverrai bien du 900p à Twitch. Ensuite, en termes de filtrage de mise à l'échelle, donc là en fait c'est un petit peu un paramétrage qui va améliorer un petit peu la qualité, parce que plus vous allez descendre votre qualité de sortie, plus l'image va un peu perdre de sa qualité. En fait c'est, on downscale, donc forcément on perd de la qualité sur l'image, c'est normal, c'est comme ça, c'est le principe. Donc on peut un peu compenser avec ce filtrage. Faut savoir que plus vous l'augmentez, plus ça va vous consommer de ressources. Donc même principe, il faut essayer de tester, de trouver le bon paramétrage qui consomme pas trop sur votre ordinateur. Donc quand vous faites du mix DJ, etc., bon, normalement vous pouvez mettre presque le maximum, il n'y a pas de problème parce que vous faites rien d'autre sur votre ordinateur à ce moment-là. Si vous jouez, il faut des fois aller le baisser selon les besoins. En tout cas, le BQB qui est le plus utilisé par tout le monde, si vous pouvez, mettez le Lansos qui sera meilleure qualité à la fin. Donc c'est pour améliorer la netteté, pardon, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Et ensuite, on arrive au terme de FPS, donc c'est le dernier paramétrage. Donc vous avez toute une liste de choix, ça c'est la vitesse de rafraîchissement de la vidéo, donc quand on dit 30, c'est qu'en une seconde de vidéo, il y a 30 images en fait dans cette même seconde qui sont prises par la capture. Donc 30 est le format standard utilisé par la plupart des streamers qui suffit amplement. Et quand on fait tout ce qui est gaming, un petit peu type jeu de tir, ce genre de choses, on va plutôt partir sur le 60 parce qu'on veut une fluidité en plus qui améliore beaucoup plus la qualité. Donc on va partir plutôt sur le 60. Mais en tout cas, en tant que DJ, normalement 30 vous suffira largement et sera acceptable avec une bonne fluidité pour tout le monde. Donc on va laisser 30 parce que du coup, on a mis aussi le bitrate adapté avec du 30 FPS en 720p. Les raccourcis clavier, bon ici vous mettez les raccourcis clavier que vous voulez pour lancer streaming, changer les scènes, ce genre de choses. Et dans la partie avancée, normalement vous n'avez pas grand chose à toucher à cet endroit là. Parce que, sauf si vous faites du gaming, il y a une option que vous pouvez toucher. Non d'ailleurs il y a quelques options, j'ai dit la bêtise. Il y a quelques options quand même. D'abord si vous faites du gaming, selon les jeux auxquels vous jouez, par exemple si c'est des jeux compétitifs, vous avez une option de retard de stream. Donc en fait ça va vous permettre de mettre un délai sur le stream. Et du coup, imaginons que je mets 60 secondes, bah en fait, j'aurai un décalage entre moi, ce que je vois sur mon écran et ce que vous allez voir sur le stream, il y aura 60 secondes de décalage. Donc c'est ce qu'on utilise généralement sur les jeux compétitifs pour éviter que les gens adverses viennent sur leur stream pour voir un peu où est-ce qu'on en est en live, parce que sinon, bah, c'est compliqué de jouer avec la stratégie. Ensuite, il y a la reconnexion automatique qui par défaut est activée, donc ça arrive si jamais vous avez une perte de connexion, bah, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir vous reconnecter et de pas devoir venir recliquer sur le bouton. Donc il va le faire tout seul et vous voyez ici il fait il attend 10 secondes pour recommencer et il va essayer 20 fois de reconnecter le stream. Donc ça c'est très utile quand on a des pertes de connexion, ça peut arriver à tout le monde, même à moi qui est en fibre ça peut m'arriver. Et ensuite vous avez la partie carte réseau, et alors là il y a quelques trucs intéressants qui peuvent être sympas selon les personnes. Vous pouvez utiliser différentes cartes réseau. Donc je prends exemple, vous avez une mauvaise connexion ADSL mais vous avez de la 4G, bah vous branchez votre téléphone en tant que modem sur votre PC et vous pouvez utiliser du coup la 4G pour streamer et utiliser votre connexion ADSL pour naviguer sur le net, ce genre de choses. C'est ce que font certains joueurs, certains gamers qui sont dans les campagnes, ce genre de choses pour pouvoir streamer, qui n'ont pas la fibre et qui n'ont pas un débit du coup suffisant à l'ADSL parce que l'ADSL permet d'avoir que 1 méga en upload maximum, c'est une limitation de l'ADSL. Donc ils utilisent une carte 4G tout simplement pour pouvoir streamer en meilleure qualité. Et voilà, c'est ici tout simplement qu'on peut configurer en disant à OBS d'utiliser une autre carte réseau que la carte réseau par défaut. Il y a également des options d'optimisation qui va permettre au logiciel d'essayer de prendre moins de réseau pour essayer de streamer, d'essayer d'un petit peu
varier le bitrate pour que votre réseau en fait soit pas gelé parce que vous envoyez trop de données, du coup vous fermez votre réseau, vous pouvez plus naviguer sur internet par exemple parce que bah, tout est pris par le stream. Donc voilà, des options qui sont mises ici. Moi je m'en sers pas parce que je suis en fibre, donc j'ai la chance d'être en fibre, j'ai aucun problème de ce côté là. Par contre, si vous avez une mauvaise connexion, essayez de bidouiller avec ces options, peut-être que ça sera une solution pour vous pour avoir une meilleure qualité de stream à la fin. Donc voilà au terme de configuration d'OBS en général, donc c'est assez lourd déjà. Si vous déjà vous configurez déjà ça correctement, ça sera déjà un bon début, et croyez-moi, il y en a beaucoup sur Twitch qui ne configurent pas bien leur stream, et ce qui fait que bah, du coup ce n'est pas regardable, donc configurez ça déjà en premier temps. Ensuite on va passer du coup à la configuration des scènes et des sources. Donc comme je vous expliquais, les collections de scènes, n'hésitez pas à vous en servir et à vous les partager, surtout quand vous faites des mix ensemble. Quand je pense par exemple à High Contrast, Barpulse, etc. qui va faire ses mix aussi. Quelqu'un qui fait une collection de scènes, donc un designer, il partage à tout le monde, et vous n'avez plus qu'à importer, vous placez votre cam, votre musique, et voilà, vous êtes prêt pour streamer, ça vous prend moins de 5 minutes au final à configurer votre logiciel de streaming normalement, si tout est fait correctement. Donc ici vous avez les scènes, vous pouvez les renommer, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en supprimer. Donc les scènes en fait, ça va être la collection de sources. Donc en fait, chaque scène correspond à une collection de sources, et les sources, qu'est-ce que c'est? Ça va être la webcam, la capture de l'écran, ce genre de choses. Donc, généralement, on en crée 5-6 par collection de scènes. Donc ça va être l'écran de démarrage, l'écran PC, l'écran de jeu, ce genre de choses, selon vos besoins, testez. Ah oui, exact, c'est vrai, j'ai oublié que... Hop, voilà, je vais monter l'écran. Merci, Belle. Du coup, généralement, à minima, ce que je vous conseille d'avoir comme scène, c'est une scène de démarrage. Donc, en gros, une scène d'attente pour que les gens puissent se connecter. Vous laissez ça à peu près 5-10 minutes. Ensuite, vous faites une scène de votre live, donc que ce soit gaming, votre live DJ, ce genre de choses. Une troisième scène où là ça va être vraiment vous plutôt en face cam avec un micro, donc vous allez pouvoir interagir avec vos spectateurs, donc discuter. Très sympa en fin de stream par exemple, au lieu de couper d'un coup, bah venez on fait une petite discussion à la fin, on termine tranquillement. Et la quatrième scène qui sera la scène de fin, du coup vous remerciez vos viewers d'avoir été là, vous mettez vos réseaux sociaux, ce genre de choses, et voilà. Au bout de 10 minutes vous coupez le stream, comme ça tout le monde est content, ça fait une transition de fin assez propre. Donc pour créer une scène, on clique sur le petit plus, pour la supprimer le petit moins, et après on peut ordonner les scènes d'haut en bas dans un ordre précis. Donc par exemple on va faire une scène start, comme je vous ai dit, une scène screen, et une scène end. Voilà. On va faire trois scènes, je ne vais pas faire une scène discussion, on verra ça peut-être plus tard dans un autre stream. La scène start, donc là vous avez trois scènes que vous pouvez switcher entre les scènes. Et vous avez du coup des sources. Donc là aujourd'hui on n'a pas de source, donc c'est pour ça qu'on a un écran noir et on va ajouter des sources. En termes de sources, il y a plusieurs possibilités. Déjà, premier conseil, je vous conseille de grouper vos sources dans des dossiers. Donc il y a l'option groupe qui existe pour ça, qui permet de créer un dossier. Et le dossier du coup, ça va être par exemple, moi ce que j'aime bien c'est catégoriser avec l'audio ensemble, tout ce qui est les widget, donc les alertes, la chatbox, etc. ensemble, ce genre de choses. Je les groupe dans un dossier. Et comme ça, en fait, je me pose pas la question de savoir, ah, mais en fait, c'est quoi ça, c'est quoi ci. Je sais qu'en fait, tout ce qui est dans audio, c'est audio, tout ce qui est widget, c'est widget, etc. C'est mieux classé, c'est l'organisation, tout simplement. Donc, on va commencer par l'audio. Et du coup, c'est là qu'on va commencer à filtrer son audio. Donc, comme je vous ai expliqué, on l'a pas configuré dans la configuration de OBS parce qu'on veut vraiment gérer l'audio par scène, ce qui est beaucoup mieux, ce qui va vous permettre vraiment de choisir vous-même où placer tel audio ou tel audio. Sur la scène de démarrage, ce qu'on veut pas, c'est le micro. Par exemple, le micro, on n'en a pas besoin parce que c'est la scène de démarrage, vous n'êtes pas devant l'écran, vous n'êtes pas avec, vos viewers, donc en fait, vous n'avez pas besoin d'être sur le micro. Je sais pas, vous êtes en train de faire des trucs chez vous pendant que ça démarre, etc. Vous voulez pas que les gens vous entendent, donc on va pas mettre le micro. On va mettre plutôt la musique, par exemple, une petite musique de fond. Donc pour ça, il y a deux solutions possibles. Soit vous utilisez une source média. Donc en fait, à ce stade-là, vous allez mettre une musique, vraiment MP3 par exemple. Donc là, elle va se lancer, dès que vous arrivez sur la scène, elle va se lancer. Soit vous capturez quelque chose de votre bureau, par exemple, que ce soit VLC, ce genre de choses. J'expliquerai plus tard comment on peut faire. Mais voilà, moi en tout cas, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais capturer plutôt une sorte de micro PC qui va envoyer le son. Donc je fais une capture d'audio en entrée. Et du coup, à cet endroit-là, je vais choisir l'un des périphériques qui est disponible.
sur lequel je sais que mon audio va, pour pouvoir envoyer l'audio sur le stream. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Voilà, donc là vous voyez, l'audio est ici, il est uniquement sur cette scène. Si je change vers vers screen, vous voyez, je n'ai plus le mélangeur audio, il n'y a plus d'audio en cours. Donc je gère vraiment l'audio par scène, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez ici, du coup, bah, régler bien évidemment l'intensité du volume. Donc là, moi, c'est géré par un autre software que je vous montrerai après. Mais vous pouvez gérer individuellement ici les pistes audio, ce qui vous permet en fait d'avoir votre voix plus forte que la musique, d'avoir la musique de fond pas trop forte, le jeu ou votre live DJ pareil, de ne mettre pas trop fort, que ce soit assez équilibré. Bon, moi je le mets à fond parce que du coup c'est géré par mon software, et je le glisse dans audio. Vous voyez, si je cache audio, ça permet aussi de réduire la liste des sources. Alors n'oubliez pas qu'ici, ça peut s'élargir, hein. Tout s'élargit sur l'interface OBS, tout peut bouger aussi, vous pouvez le mettre à gauche par exemple, vous pouvez le mettre en bas, voilà. Vous pouvez bouger complètement l'interface en restant cliqué et en glissant la partie où vous souhaitez. Donc là, j'ai mis la partie musique. Maintenant, ce qu'on va mettre, on va mettre une image ou quelque chose ou une vidéo qui va faire attendre les personnes sur le stream. Donc je vais mettre tout simplement quelque chose qu'on m'a envoyé pour ce live. Donc on va mettre le background. Donc là, en fait, je vais lire une vidéo. Qui est, parce que nous on utilise une vidéo pour le truc de démarrage, mais ça peut être une image, c'est vous qui voyez. Et tout simplement je vais utiliser cette vidéo pour pouvoir mettre une image derrière. Donc hop, Hard Pulse, loading. Je la lis en boucle parce que sinon en fait la vidéo va s'arrêter, ou elle dure que 5 secondes, donc elle va s'arrêter. Donc là en fait elle va reprendre à chaque fois. Et je clique sur OK. Voilà, donc là on a la vidéo, on a l'audio. Vu que c'est une vidéo, il me met une barre de volume, ce qui est normal, parce que si ma vidéo avait du volume, il voudrait envoyer le volume aussi sur le stream. Donc là, je n'en ai pas besoin de ce volume-là. Donc je le mets à 0 et je fais clic droit, je le masque, parce que je n'ai pas besoin de cette barre d'afficher, elle me sert à rien, elle me pollue pour rien le mélangeur audio. Donc je la masque et je la mets à 0%, comme ça je sais que même si j'ai un audio un jour, ça se lancera pas sur le stream, ça sera vraiment l'audio de la musique qui sera en priorité. Donc là, voilà. Ici j'ai du coup une scène de démarrage. Et ce qu'on peut faire pour terminer, donc le background, donc l'audio, moi je le mets toujours tout en bas de mes sources, parce que vu qu'il n'y a pas d'affichage graphique, je préfère mettre ça tout en bas, comme ça, je sais que tout ce qui est au-dessus c'est ce qui est visible sur mon stream, tout ce qui est en dessous c'est ce qui est caché. Je vais mettre une dernière chose qui est un texte, parce que là c'est un peu vide, voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Donc je mets un texte, donc je lui mets pas de titre, ou je lui mets peut-être un start title, vous mettez ce que vous voulez, de toute façon c'est cet endroit là. Et je vais mettre démarrage dans quelques instants. Hop. Dans quelques instants, voilà. Vous réglez la taille, vous pouvez choisir des polices, vous pouvez régler la taille, etc. À vous de choisir ce que vous voulez, c'est votre design à ce stade-là. Vous pouvez choisir l'alignement centré, l'alignement vertical aussi centré, si jamais vous faites un texte assez gros. On clique sur OK, et ce que je vais faire, c'est que je veux que mon titre soit centré. Donc pour ça, c'est très simple. Je clique sur Start Title, clic droit dessus, transformer, et ensuite je fais centrer à l'écran. Et voilà, mon écran de démarrage est terminé. Dernier petit tip que je vous conseille, c'est de verrouiller vos sources, ce qui vous évitera de les déplacer de manière non intentionnelle. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le petit cadenas. Donc quand c'est un groupe, vous pouvez cliquer sur le cadenas du groupe, ce qui fait que bah, toutes les sources qui sont dedans sont bloquées aussi. Et quand ce n'est pas un groupe, bah vous cliquez sur chaque cadenas. Et vous voyez qu'en fait, si par exemple je clique malencontreusement dans mon logiciel de stream, ça ne bougera plus rien. Ce qui va vous éviter de déplacer votre interface de manière non volontaire. Donc là, on a terminé la partie écran de démarrage. Donc c'est ce que je vous conseille à tous d'avoir. Vraiment, c'est super important. Parce que si vous démarrez tout de suite votre stream, je trouve ça moi un peu dommage. Parce que les gens n'ont pas le temps d'arriver, que vous êtes déjà en train de faire quelque chose. Si vous laissez 5-10 minutes aux gens d'arriver, à vous habituer, ça va potentiellement aussi ramener d'autres gens, et du coup vous allez démarrer avec déjà du public, et c'est beaucoup plus sympa d'avoir du public ensemble. On va passer ensuite sur la scène screen, donc là on va un peu reprendre les mêmes principes. On va faire un peu le même principe, donc vous allez ajouter vos sources audio. Donc l'avantage d'OBS, c'est que vous pouvez aussi réutiliser une source que vous avez déjà créée sur une autre scène. Donc vous n'êtes pas obligé de tout créer en double, en triple, etc. Je sais que par exemple ma musique, je la veux aussi sur ma scène screen. Du coup, je fais ajouter une source existante, je clique dessus, je fais OK. Et vous voyez, en fait, il récupère exactement la même source que la scène start. Alors attention, le fait de faire ça fait qu'elles sont directement liées. Si par exemple, vous voyez, si je renomme la source,
je vais mettre par exemple test, test capture. Et bah vous voyez qu'ici ça la renomme aussi. Les deux sources sont vraiment liées l'une à l'autre. Donc attention quand vous touchez du coup à une source qui est partagée entre différentes scènes, la modification se répercute sur toutes les scènes. Ça peut être des fois gênant, donc c'est pour ça que des fois il va falloir dupliquer, doubler les sources, parce que vous n'allez pas forcément vouloir les mêmes paramètres. Ça dépendra du coup de votre configuration que vous souhaitez. Donc là j'ai dû changer le titre, c'est pas très grave, ça c'est pas bien méchant. Donc on veut du coup la musique. Donc la musique c'est ok. Ensuite ce que je veux, ça va être mon micro. Donc je vais créer du coup une autre entrée, donc là je vais l'appeler micro pour qu'elle soit plus facilement lisible. Et là, soit je laisse par défaut, parce que par défaut mon micro est bien configuré sur Windows, donc j'utilise la source par défaut de Windows, donc c'est les paramètres par défaut de Windows, soit je vais définir moi-même du coup le micro utilisé, ce qui peut être plus sympa au cas où brancher des périphériques audio, ce genre de choses, bah, des fois Windows il a tendance à changer le truc par défaut, donc pour s'assurer qu'on a le bon périphérique choisi, on va le forcer dans ce choix-là. Donc vraiment, je vais prendre mon micro casque et je vais mettre ici. Donc là, on a nos deux audios. Et on va bien évidemment les grouper pour plus de lisibilité. Donc clic droit, grouper les éléments sélectionnés, audio. Et là qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire le nom est déjà utilisé. Et là c'est triste parce qu'en fait OBS, contrairement à Streamlabs, ne permet pas d'avoir des noms de groupes partagés entre les scènes. Et ça c'est assez embêtant, il n'y a que Streamlabs OBS qui permet de le faire malheureusement. Du coup il va falloir trouver un nom qui soit unique à chaque fois. Donc moi ce que je fais c'est que je préfixe toujours mes noms de groupe par le nom de la scène, donc soit le nom minimisé, donc par exemple S pour screen, mais là du coup vu que j'ai start, bah du coup le S est similaire, soit je mets le nom complet, donc screen, et là je vais mettre audio, voilà. Du coup là j'ai screen audio qui est regroupé avec mes deux périphériques audio. Ensuite on va ajouter du coup une capture d'écran, donc la capture d'écran ça peut être l'écran de PC, ça peut être un écran de jeu ou une fenêtre, ça dépend de votre besoin, ça dépend de ce que vous souhaitez streamer. Ça peut être aussi une webcam bien évidemment, parce que les 4 sont des captures. Là ce qu'on va faire c'est que tout de suite, est-ce que j'ai une webcam branchée là? Oui, ouais, j'ai la Logitech qui est branchée, donc je vais ajouter une webcam parce que je pense qu'on est tous ici pour des streams plutôt DJ, donc je vais montrer vraiment comment on stream du DJ. Donc là je vais nommer webcam. Je vais choisir ma webcam, donc là ici c'est la C920, et c'est du coup ici qu'on va configurer sa webcam, et je vous montrerai tout de suite comment bien la configurer parce que c'est super important. Donc par défaut, OBS il va configurer avec des paramètres par défaut du périphérique qui sont loin d'être les paramètres les plus idéaux d'une webcam, d'ailleurs je trouve ça même étrange qu'il utilise ces paramètres souvent, du coup on va devoir vraiment les personnaliser. Donc dans un premier temps, donc ici assurez-vous de choisir votre bonne webcam, donc moi c'est la C920 ici. Et ici, on va cliquer sur la type de résolution FPS en faire personnaliser. Ouais, je vais baisser un peu. Voilà. Donc. Ici, vous allez choisir du coup votre résolution. Alors ça, c'est la résolution de la webcam. Et contrairement à ce qu'on pense, il faut pas forcément mettre la résolution la plus haute. Parce que par exemple, vous voyez ici que sur ma C920, il me propose des résolutions très hautes qui sont de 2304 par quelque chose. Si je les mets, ça marchera pas. Ça va rien afficher. La cam va se friser, en fait, va se figer, pardon. Et j'aurai pas du coup du tout d'image. Moi ma webcam je sais que par défaut elle permet de streamer jusqu'à 1080p, donc 1920 par 1080, mais il faut pas forcément utiliser la résolution la plus haute, même en 1080 c'est pas forcément le plus adapté, parce que il faut savoir, c'est le même principe, plus vous montez votre résolution, plus le périphérique va consommer de ressources sur votre ordinateur, du coup selon votre configuration il va falloir des fois la descendre. Et aussi je vais donner l'exemple pour le gaming ou ce genre de choses, où quand vous diminuez votre cam de taille sur votre écran, sur votre overlay, mettez pas du 1080 parce qu'en fait ça sert à rien. Généralement le 720 suffira largement à afficher votre webcam parce que vous allez de toute façon la réduire. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit en 1080 ou 720p, ça va pas changer grand chose à la qualité parce que vous serez en petite façon sur votre overlay, donc pas d'intérêt de prendre une grosse résolution. Ça améliore très légèrement la netteté, mais concrètement, vu la qualité des streams, qui est très compliqué à maintenir parce que bah on est limité par les serveurs et le bitrate, ne mettez pas trop de qualité, c'est pas ce qu'on recherche le plus derrière, tant qu'on vous voit correctement c'est largement suffisant. Maintenant on va rentrer dans le cadre d'un stream pur DJ,
Du coup, oui, on sort en flux 720p, mais ça veut pas dire forcément que vous devez mettre votre webcam en 720p. Vu que vous êtes en DJ, là par contre on veut quelque chose d'assez propre, et d'ailleurs on voit que ça en fait, vous allez être en gros plan. Donc quand vous êtes en gros plan, essayez de mettre le plus de qualité possible sur votre webcam. Donc pour mon cas, je vais mettre du coup du 1080p parce que c'est le plus idéal. En termes d'FPS, généralement, on va laisser débit d'image identique à sortie. Après, vous pouvez le forcer à aller au plus gros FPS, qui sont du coup pour moi 30 sur la plupart des webcams. Mais généralement, le identique à sortie va s'adapter à 30. Mais en tout cas, vous pouvez tout de même le forcer à 30. C'est toujours mieux de le forcer quoi qu'il arrive. Les autres paramètres, on n'a rien à toucher. Généralement, vous pouvez laisser par défaut, ça fonctionne très bien. Mais on n'a pas terminé de configurer la webcam, parce que là, oui, effectivement, on l'a configurée en termes d'affichage sur OBS. Maintenant, on va falloir configurer la qualité de la webcam en elle-même. Du coup, on va cliquer sur le bouton configurer la vidéo. Et là, ça va être vraiment les paramètres de la webcam, et c'est là qu'il va falloir absolument que vous jouiez pour avoir la meilleure image possible sortante de votre webcam. Donc là, on est vraiment sur la configuration de la webcam pure. Donc c'est ce qui est configuré pour tout logiciel sur Windows. Concernant la Logitech, il y a un gros problème sur Windows qui est hyper connu et qui malheureusement est très compliqué à bypasser. Souvent Windows, en fait, il va réinitialiser ses paramètres à chaque fois que vous redémarrez votre PC pour les Logitech. Donc il faudra à chaque fois reconfigurer sa webcam. Donc si jamais votre webcam ne ressemble pas à la même chose à chaque fois que vous redémarrez votre PC et que vous relancez vos streams, bah, c'est à cause de ça, il faut noter les paramètres et les réappliquer à chaque stream. Donc je vais la bouger déjà, parce que là on voit pas grand chose sur la webcam. Voilà, donc on va la mettre là. Donc là la webcam elle est positionnée à peu près à l'endroit où il y a mon appareil pro de mon côté. Donc on va configurer. Donc luminosité contraste, généralement on le touche pas, on laisse par défaut, c'est acceptable pour tout le monde. La saturation pareil. Donc saturation, c'est l'intensité des couleurs, donc plus vous l'augmentez, plus vous voyez j'ai un teint un peu orange, parce qu'en fait ça booste les couleurs, et si je diminue à 0, c'est en noir et blanc. Donc 128 c'est une bonne valeur par défaut, c'est intermédiaire. La netteté, donc là c'est vraiment la netteté de l'image, et là c'est un peu le même principe, plus on va augmenter, plus ça va être net, plus on va baisser, plus ça va être flou, donc c'est ça en fait la netteté, c'est le flou ou vraiment ce qu'on appelle le piqué en photo, donc la netteté. Mais là attention, c'est pareil, si vous le montez trop en fait, vous allez voir, je vais le monter, vous allez voir derrière sur la webcam, vous voyez ça fait en fait les grains, donc le grain de l'image, donc tous les petits points que vous voyez partout là, il s'accentue, donc il faut pas forcément plus le booster. 128 généralement c'est encore une fois une bonne valeur par défaut, qui correspond à la plupart des cas, vous n'avez pas vraiment besoin de toucher, sauf si vous avez un petit peu trop le grain. Par contre généralement ce qu'on va faire, c'est on va un peu le baisser, on va essayer un peu de créer un aspect de flou, pour que ça soit un peu plus étalé, un peu moins granuleux quoi l'image. Donc c'est pour ça qu'on va adapter ce paramètre. En tout cas sur une bonne webcam, on va laisser à 128. La balance des bancs, alors ça c'est le paramètre que vous allez absolument décocher en automatique. Vous allez me décocher cette option, vous allez la configurer. La balance des blancs, c'est pour donner un ton plus froid ou plus chaud à une image. Donc en fait c'est la... Comment expliquer ça pour la balance des blancs, c'est vraiment... j'essaie de trouver les bons mots pour ça. Ouais, enfin c'est chaud ou froid. Enfin, je vais vous montrer un exemple parce que j'ai du mal à expliquer en termes comme ça. Je sais à quoi ça sert, mais l'expliquer. Donc ouais, si je vais plus à gauche, j'aurai une image beaucoup plus froide. Donc je vais contrer par exemple tout ce qui est lumière jaune, ce genre de choses. Et si je pars à droite, je vais contrer tout ce qui est lumière blanche. Donc je vais avoir un teint beaucoup plus orange. Le but ici, c'est d'avoir une image vraiment assez neutre. Ce que en fait vous percevez le plus possible avec vos yeux finalement. Pour trouver une bonne référence à ça, ce que je vous conseille, c'est de regarder un petit peu tout ce qui est les murs blancs, ce genre de choses. C'est pareil, votre peau, vous voyez en fait à peu près normalement à quoi ressemble. Donc du coup, vous allez essayer d'ajuster ce paramètre pour que vous ayez à peu près le bon teint et que par exemple un objet blanc, donc vous prenez par exemple un paquet de mouchoirs, voilà, vous gardez le blanc du mouchoir et vous essayez de faire en sorte qu'il soit bien blanc, qu'il soit pas trop bleu, pas trop orange, qu'il soit bien neutre. Et c'est comme ça en fait, on va configurer du coup la balance des blancs. Donc moi généralement, donc là vous voyez par exemple ici j'ai une lumière qui éclaire bien le mur blanc, donc je la compense, je suis à peu près dans les 4500, je dirais à peu près, c'est à peu près correct, on est sur des couleurs assez neutres avec 4500. Compensation contre-jour, bon moi je l'active pas, ça permet un peu d'augmenter la lumière, mais vous voyez qu'en fait ça donne beaucoup trop de lumière, donc moi je l'active pas. Et le gain, c'est simplement la puissance de la lumière. Ah oui c'est normal, il n'est pas activé parce qu'on va désactiver notre truc après, mais ici vous allez pouvoir également gérer le gain.
Et le gain va faire aussi que ça va être un peu moins granuleux, etc. Donc il va falloir jouer avec ça. Fréquence du courant, les 150 Hz, parce qu'on est en Europe. Donc en Europe, nous, on tourne sur les 50 Hz. C'est pas très important de changer ce paramètre, ça va rien changer en termes de qualité. Vous allez cliquer sur contrôle de caméra. Et si vous avez d'autres paramètres qu'il va falloir configurer. Vous avez le zoom. Alors bon, c'est un zoom numérique. Donc concrètement, vous voyez, je peux pas beaucoup zoomer. Hein. C'est pas vraiment utile, on va pas trop s'en servir. Ça peut être un peu utile si vraiment vous voulez ajuster, mais bon, limite vous agrandissez l'image pour qu'elle déborde un peu et ça sera assez similaire. Vous allez décocher la mise au point en automatique, parce qu'en fait le webcam elle gère très mal la mise au point, elle a tendance à faire ce qu'on appelle des effets de pompe, de pompage, et en fait c'est parce que d'un coup en fait, elle va faire sa mise au point, par exemple c'est un truc qui est derrière, et elle va vouloir pomper pour aller faire la mise au point derrière, et d'un coup elle va vous recapter et elle va essayer de refaire la mise au point sur vous. Donc la mise au point, c'est tout simplement du coup la netteté vraiment de votre corps qui est prise par la cam. Donc vous voyez, plus je mets à droite, plus c'est flou, et là plus c'est net au niveau de mon corps. Donc il faut essayer de régler ça. Donc plus on va loin, moins ça va être clair. Plus on se rapproche, plus ça va être clair. Donc il faut essayer de trouver le bon paramétrage selon la distance à laquelle vous êtes de votre webcam. Donc moi je suis assez proche, 0 suffit simplement. Si je m'éloignais, par exemple pour le cas d'un live DJ. Il est possible que je dois augmenter ce paramètre pour que je puisse être net au loin, alors qu'à la base je devrais être flou certainement. En tout cas, vous désactivez automatique, ce qui va vous éviter cet effet pompage, ce qui fera qu'une fois que vous aurez le bon paramètre à cet endroit-là, vous serez toujours clair, il n'y aura pas d'effet de pompage, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Vous avez l'exposition ensuite. L'exposition, donc, c'est vraiment la quantité de lumière. Et ce paramètre, il est super important parce que c'est ce qui va aussi définir la vitesse à laquelle la webcam va se rafraîchir, parce qu'en fait il faut savoir que c'est des petits capteurs, du coup c'est pas non plus très performant, et ces petits capteurs vous pouvez pas gérer la vitesse manuellement dessus, contrairement à une caméra comme là j'ai sur mon enceinte. Moi j'ai une vraie caméra où je peux gérer vraiment la vitesse manuellement, sur la webcam on peut pas. Du coup ce qui fait, c'est qu'en fait la webcam elle va adapter l'exposition, donc plus vous allez vouloir de lumière, plus la vitesse va ralentir. Et en fait, ce qui fait qu'en fait, bah, du coup, vous allez saccader. Donc, si par exemple, je vous montre, vous voyez, là, je saccade beaucoup parce qu'en fait, je lui dis, prends-moi beaucoup de lumière, mais en fait, elle n'arrive pas à gérer une bonne vitesse pour avoir cette lumière-là. Parce qu'en fait, c'est un principe de. Je capte la lumière X secondes, ce qui me permet d'avoir une bonne luminosité. Donc là, on peut imaginer, là, je sais pas, elle doit être à 2 secondes. C'est-à-dire que toutes les 2 secondes, elle capte la lumière, elle reste ouverte toutes les 2 secondes pour avoir une bonne lumière. Mais du coup, ça fait que c'est hyper lent en termes d'image. Donc, on va le diminuer en essayant d'avoir une bonne luminosité. Mais tout en ayant une bonne vitesse, donc c'est à dire que ça soit bien fluide quand je bouge. Donc vous voyez, 5 là, je peux bouger, j'ai pas de problème, ça va. Si je mets à 4, est-ce que ça passe? Ah, vous voyez que là déjà on commence à saccader, donc là on va le baisser d'un cran. S'il manque un petit peu de lumière, on va le compenser par le gain justement, juste après. Panoramique, inclinaison, on va pas toucher. C'est des paramètres qui sont là, mais qui souvent d'ailleurs ne fonctionnent pas sur le webcam. Ça permet simplement de bouger la webcam. Et compensation luminosité faible. Généralement, si vous avez une bonne lumière, vous n'avez pas besoin d'activer ce paramètre. Et de toute façon, par défaut, il ne l'applique pas, même si c'est coché, parce que vous avez une bonne lumière, ce qui fait que la webcam n'a pas besoin de compenser. Par contre, si vous êtes un peu sombre, vous pouvez l'utiliser. Par contre, je vous le déconseille, parce que le fait d'utiliser cette option va aussi ralentir votre webcam, ce qui fait que vous aurez une image du coup pas trop fluide, donc à éviter. Donc on applique, et là vous voyez. Maintenant, le gain, je peux commencer à augmenter ou réduire pour avoir une image qui gère bien la lumière, donc être bien exposé ou sous-exposé. Donc, pas mettre trop sombre, pas mettre trop flashy, vous voyez que là, je suis trop blanc. Donc, on va essayer de l'adapter pour essayer de trouver le bon paramétrage. Et là, c'est à vous de trouver selon la lumière que vous avez à disposition chez vous. On va mettre à 160 de mon côté. Donc là, on a la webcam, on a l'audio. Donc, c'est déjà un bon début. Après, ça sera à vous d'ajouter chatbox, etc. par Streamlabs, ce genre de choses. Donc ça, c'est un autre tuto. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que cette webcam-là, elle est un peu... par défaut, l'image est un peu mauvaise qualité. On va essayer un petit peu de la booster. On va essayer de rendre quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et pour ça, que ce soit sur Streamlabs OBS ou sur OBS, on a ce qu'on appelle des filtres disponibles. Donc vous faites clic droit sur webcam, vous faites filtre. Et là, vous allez pouvoir appliquer des effets. Ce qui va vous permettre en fait de rendre une caméra, une webcam un peu plus look caméra, un peu plus look cinéma. C'est un peu plus sympathique, ça fait de la différence. Que là vous voyez, en fait je suis un peu grisâtre en fait, sur la webcam, sur l'affichage. Hop, je vais le baisser, tac. Je suis un peu grisâtre et du coup on va faire en sorte que ça soit beaucoup plus, qu'il y ait un peu plus d'ombre, ce genre de choses, que ça soit une image de meilleure qualité. Donc vous allez faire plus, ici on tape de filtre d'effet, vous allez faire plus.
Et là, on a plusieurs effets. Donc, il y a déjà les effets qui permettent d'incruster quelqu'un sur un fond vert. Vous avez également des choses comme mettre des masques ou recadrer la webcam. Mais on va regarder surtout la correction colorimétrique. Donc, il vous demande si vous mettez un nom. Moi, je laisse les noms parler fois, ce moment-là. Et là, vous avez à nouveau des paramètres, donc gamma, contraste, luminosité, saturation, décalage de teinte, opacité. Et là, vous allez pouvoir jouer avec ces paramètres-là pour essayer de la rendre un peu plus propre en termes de dynamisme d'image, en fait. C'est ce qu'on appelle ça, on appelle le dynamisme, donc la range dynamique, ce qui va permettre en fait, d'avoir quelque chose un peu plus ombré, un peu plus propre, un peu plus look d'une vraie caméra. Donc là, on va compenser avec le gamma. Vous voyez, on va un peu baisser, on va essayer un peu de gratter un petit peu d'ombrage. Le contraste, pareil, on va essayer de le monter ou de le descendre. Donc, vous voyez, si je le descends, vous voyez, là, je pars trop dans le grisâtre. Donc là, on va essayer de l'augmenter plutôt. On va essayer de rendre quelque chose de plus ombré. Vous voyez, en fait, moi, je vais faire, par exemple, au noir. C'est que, vous voyez, le noir, il devient grisâtre. Si je le mets à droite, je vais essayer de le rendre plus noir. Donc, en fait, ce qui est naturel, en fait, finalement. Là, c'est pareil, si je le mets plus à la droite, je pars trop dans les blancs. Donc, je vais essayer de rattraper cette perte de qualité qu'on a avec une webcam. On va essayer de la rattraper grâce à ces paramètres. À essayer de avoir des couleurs un peu plus propres, un peu plus fidèles. Luminosité pareil, donc là ça, on peut jouer un petit peu, donc là je vais mettre moi 0,5. Saturation, donc un peu le même principe que tout à l'heure, on peut l'augmenter, donc là, vous voyez je suis complètement orange, on peut mettre en noir et blanc. Donc là on peut un peu compenser, moi ce que je fais c'est généralement c'est, donc par défaut la 0, ça peut m'arriver un peu de la descendre. Voilà, je la descends un petit peu pour que ça soit un peu plus flat, pas trop punchy finalement. Donc pas hésiter à descendre. Décalage de teinte, donc là c'est si jamais vous colorez, ça peut être des streams marrants, hein, des streams Blue Eiffel, ce genre de choses, amusez-vous avec ce filtre là, voilà. Il faut savoir que on sait pas trop comment il choisit la teinte, on sait pas trop, quand, vous voyez l'avant-bras il me colore mon bras, je sais pas pourquoi il colore mon bras et par exemple pourquoi il colore pas l'arrière, le meuble, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il colore plutôt les parties blanches ou mon t-shirt, il est pas coloré. Donc amusez-vous avec le décalage de teinte, je pense que sur un stream ça peut être très marrant, surtout les streams DJ. Des streams genre, je sais pas, vous partez sur les planètes, ce genre de choses, vous commencez à vous colorer, ça peut être assez marrant. Les effets par contre sont applicables uniquement de manière directe, c'est-à-dire vous pouvez pas gérer la barre de décalage de teinte qui s'augmente petit à petit, c'est pas gérable par OBS, ça faudra le faire avec du After Effects, ce genre de choses, en tout cas c'est pas gérable directement en streaming malheureusement. Et l'opacité, ça vous permet de simplement vous mettre un peu transparent, vous mettant avec un fond derrière, ce genre de choses, bon. Je pense pas que vous ayez besoin de cette option là, mais en tout cas elle est disponible si vous voulez un petit peu vous mettre de manière un peu invisible par dessus quelque chose. Donc là vous voyez, là on a une image un peu plus punchy, et d'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne si je retire ce fameux filtre, pardon. Ah, donc là j'ai le fameux bug qui a fait qu'il a tout réinitialisé, des fois ça arrive. Voilà, 5, yes, voilà, ok. Et là j'étais à 160. Du coup voilà, si par exemple je retire le filtre, vous voyez l'image elle est beaucoup plus blanche, beaucoup plus grisâtre. Et c'est grâce justement à cette correction colorimétrique qu'on rattrape un peu cette mauvaise qualité qu'on peut avoir avec une webcam, parce que les webcams c'est pas fait à la base pour ça, c'est fait juste pour faire la visio. Donc là on va rattraper grâce à ces paramètres, et vous voyez que c'est beaucoup plus clean, j'ai beaucoup moins de grains, beaucoup moins blanc, etc. Et là je suis même encore un petit peu en vrai surexposé. Donc en vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je réduise un petit peu le gain. Pour que je sois un peu moins blanc ici, vous voyez, en fait, si je suis vraiment très blanc, et en fait, je vais un peu le réduire pour qu'en fait, ça corresponde un peu plus à, de manière quelque chose de naturel. Voilà. Là, je suis un peu plus naturel déjà. Je suis pas trop sombre, pas trop clair. On voit bien ma peau. Je suis de la bonne couleur, etc. Donc utiliser ces filtres-là, c'est super important. Et vous faites ensuite, du coup, la même chose en termes de scène de fin. Vous allez mettre une scène de fin, vous allez mettre une musique de fin. Vous allez mettre un texte pour remercier vos viewers, et globalement on aura fait le tour de ce côté là en termes de scène et de source. Steve, je sais pas si t'as vu, on t'a posé une question du coup, est-ce que ça existe les webcams à 60 fps? Alors oui, ça... Ok, merci. Oui, ça existe les webcams à 60 fps, par contre c'est vraiment un marché niche, c'est-à-dire qu'il y en a pas beaucoup, qui sont souvent à un prix assez excessif. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines webcams, et d'ailleurs la plupart des webcams, ont du 60 fps, mais à 720p uniquement. Vous pouvez pas l'avoir en Full HD à 1080p, parce que bah, les capteurs ne le permettent pas, ce genre de choses. Donc du coup, ils l'ont autorisé à 720p. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'utilité à ce jour d'utiliser du 60 fps sur une webcam. La seule raison où vous auriez besoin, c'est
C'est par exemple si vous faites de la batterie, ce genre de choses, bah en fait avec des mouvements rapides, là faudrait du 60 fps, mais c'est pas trop notre cas généralement. Le 30 fps suffira du coup largement pour la plupart des cas. Du coup, on a fait tout ce qui est source, etc. Donc n'oubliez pas que les scènes, les sources, vous pouvez les copier entre les scènes, ce qui peut être super avantageux pour éviter de répéter certaines sources, comme la webcam par exemple. Ensuite, ce qu'on va voir, du coup, c'est la transition des scènes. Donc il y en a par défaut deux, mais on peut en conférer plus. Donc on peut mettre des vidéos de transition, ce genre de choses. Et là, en fait, c'est juste l'effet que vous allez avoir entre une scène et une autre. Donc la transition, donc la coupure, bah, ça va simplement faire vraiment un effet de coupure. Et le fondu, bah, plus vous allez augmenter le délai. Donc par exemple, si je mets 5000, donc il correspond à 5 secondes, bah, en fait, ça va vraiment partir sur l'autre scène très doucement. Donc à vous de trouver le bon paramétrage, à vous de bien configurer. Généralement, on utilise souvent fondu. Entre la scène de démarrage et la scène d'écran et la scène de fin, et quand on switch par exemple entre l'écran ou le chat, ce genre de choses, on va utiliser coupure parce qu'on veut pas de fondu, on veut que ça switch directement de scène. Là c'est plus pour faire une transition vers le début ou la fin d'un stream. Je pense qu'on a fait à peu près le tour d'OBS. Donc après voilà, vous avez différentes sources, hein, c'est à vous d'ajouter selon vos besoins. Si, un truc qui peut être super sympa pour vos streams. J'aurais dû mettre Cooper parce que ça prend du temps. Vous avez des sources, comme par exemple les sources de couleurs, qui permettent de mettre vraiment une couleur sur le stream complet. Vous voyez, par exemple, je vais mettre un bleu. Donc voilà, là j'ai une source bleue. Donc cette source bleue, elle peut servir à plusieurs choses. Déjà, je peux faire une incrustation. Donc je peux cacher quelque chose et faire en sorte que quelque chose s'affiche à la place de ça. Ou aussi, je peux en fait m'amuser simplement à appliquer un filtre encore colorimétrique une fois. Mais cette fois-ci, je vais juste jouer sur l'opacité. Et du coup, ça peut rendre en fait votre stream, des zones de votre stream, d'une certaine couleur. Mais pas forcément la couleur complète, vous voyez. Donc faire des effets superposés. Et en plus, vous pouvez appliquer plusieurs effets en même temps. Donc voilà, après, c'est à vous de trouver les utilités à ça. Mais en tout cas, c'est disponible et vous pouvez vraiment vous amuser avec l'opacité pour rendre des zones plus ou moins transparentes ou non. Donc là, par exemple, si vous voulez mettre un fond transparent, un peu noir, opaque pour votre chat, par exemple, bah, vous pouvez le faire comme ça. Plutôt que de faire une image, etc., bah, vous pouvez directement utiliser ça. Vous mettez une transparence à 50% et vous mettez votre chat dans cette case-là, par exemple. C'est à peu près tout, je pense qu'on... Ah non, oui, on peut aussi montrer les filtres sur les mélangeurs audio, parce qu'il y a aussi des filtres pour l'audio. Et ça, faut pas hésiter à s'en servir, surtout au niveau du micro. Donc il y a différents filtres, il y en a trois que je vous conseille d'utiliser, qui sont le compresseur, la noise gate et la suppression du bruit. Alors suppression du bruit, c'est très simple, c'est pour retirer du coup les bruits un petit peu environnants de votre micro. Alors ça fait pas de miracle, c'est un petit plugin, hein, c'est pas non plus quelque chose de magique. Mais par exemple des légers souffles, ce genre de choses, surtout sur des micros pas très bonne qualité, il y a souvent un léger souffle qui en continu sur le micro. Mais en fait ça sert à vraiment le retirer. Donc vous l'appliquez, vous pouvez régler le seuil de gain à appliquer. Moi généralement je laisse par défaut, ça suffit amplement et ça permet de vraiment réduire tous les petits souffles qu'il peut y avoir dans votre micro. Ensuite la noise gate. Donc la noise gate en fait c'est un filtre qui va permettre l'activation de votre micro à partir d'un certain seuil. Qui va faire qu'en fait quand vous parlez pas, votre micro va pas s'activer. Donc moi par exemple qui ai un clavier très bruyant, parce que c'est un clavier mécanique, quand j'appuie sur mes touches, bah si je mets une noise gate qui est bien configurée, ça permet que quand j'appuie sur mon clavier, les gens ne l'entendent pas. Par contre, quand je parle, mon micro va s'activer correctement et les gens vont m'entendre. C'est un peu le même principe que l'activation de la voix sur les logiciels vocaux, comme Discord par exemple, pour ceux qui connaissent. Ça permet vraiment de dire à OBS d'activer son micro que à un certain volume, et du coup que ça soit activable que par votre voix et pas par quelque chose autour de vous. Encore une fois, ça peut être très utile si vous avez un bruit environnant, comme par exemple un ventilateur, ce genre de choses. Bah, c'est un peu dérangeant d'avoir ce souffle continu dans le micro, donc on va configurer cette noise gate pour faire en sorte que le micro s'active uniquement quand vous parlez et pas quand il y a le bruit du ventilateur. Et le dernier paramétrage qui est le compresseur qui va permettre simplement de compresser le signal audio comme c'est écrit, et qui va en fait
éviter que quand vous criez, bah, le micro sature, et quand vous parlez trop bas, que le micro soit trop faible. En fait, il va faire en sorte qu'il écrase le signal pour que ça soit à peu près normalisé, et que du coup, peu importe quand vous parlez dans votre micro, ça soit standardisé. C'est un peu ce que j'ai sur mon micro justement là quand je parle. J'ai un compresseur qui est activé, ce qui fait que même si je crie, ça va pas vous casser les oreilles. En fait, il va automatiquement baisser le volume, en sorte que ça soit à un certain stade. Et si je parle pas assez fort, il va essayer de l'augmenter pour que vous m'entendiez correctement et que j'ai pas besoin de trop crier. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que... Ah oui, j'ai un petit dernier... toujours un petit dernier, j'avais oublié. Il y a le Mode Studio. Alors le Mode Studio, qu'est-ce que c'est ? C'est très sympa justement pour tout ce qui va être émission. Ça peut être aussi pour tout ce qui va être live DJ. En fait, c'est une option qu'on utilise généralement en télé, ce genre de choses, qui fait qu'en fait, à gauche, c'est une prévisualisation. Donc, par exemple, si je clique sur Start, vous voyez, j'ai la prévisualisation de l'écran Start, qui d'ailleurs, je n'ai pas l'écran, mais c'est normal, ce qu'il faut que j'active les options, voilà. Et à droite, c'est ce que, en fait, est en live sur le stream ou sur l'enregistrement, selon ce que vous faites. Donc ça me permet en fait de commencer à bidouiller des choses à gauche, donc comme par exemple à gauche, vous voyez, donc là ici les sources qui est affichées dans les sources, c'est ce qui correspond à la scène aperçue. Donc je vais pouvoir par exemple ajouter une image, par la con, voilà, ajouter un truc tout bête, par exemple ça, voilà, et ce qui permet en fait de commencer à manipuler la scène, et en fait quand je voudrais, je pourrais simplement envoyer la scène en streaming, et ça c'est super intéressant quand on fait par exemple les émissions In Harder Style, ce genre de choses. On utilise beaucoup le Mode Studio parce qu'en fait on veut d'abord voir ce qui se passe à gauche et envoyer la scène seulement quand on estime qu'on a besoin de l'envoyer sur le stream. Donc il y a ce Mode Studio qui existe, qui est plutôt sympa, qui est très simple à utiliser, hein. Vous pouvez même d'ailleurs faire des transitions à la main avec votre souris, etc. Donc je pense notamment à nos amis d'Icontra, ce genre de choses qui font beaucoup de live où c'est des vidéos finalement enregistrées au préalable. N'hésitez pas à utiliser ça pour faire des transitions, et c'est plutôt sympa. Voilà, bah moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, Solène, sur la partie OBS pure. D'accord. Parfait. Tu voulais nous parler de la lumière aussi, non ? C'est pas ça ? Ouais, je vais parler de l'audio et de la lumière tout à fait, mais je voulais... T'as pas de questions. Ouais, s'il y a des gens de questions maintenant, avant qu'on passe à la suite. Pour l'instant, j'en vois pas, donc si tu veux pas, c'est plus... Ok. Au pire, je t'arrêterai et je te dirai. Ok, ça marche. Alors du coup on va passer à la partie audio très rapidement et la partie lumière aussi, donc c'est vraiment des points rapides parce que je voulais surtout vous montrer comment bien configurer son OBS et ensuite après je vais vous montrer un petit peu du matériel en termes d'audio et vidéo pour vous améliorer. Donc l'audio, ah oui, je vais quand même parler d'un petit truc que j'avais oublié parce qu'en fait c'est vrai que je l'avais dans ma liste et j'ai oublié de le dire. Pour tout ce qui est les overlays, donc les interfaces, j'ai réuni en fait des petits liens qui sont, comme vous l'avez expliqué la semaine dernière, sur YouTube. Il y a plein d'overlays disponibles gratuits. Voilà, par exemple, j'ai pris une playlist au hasard sur YouTube et vous voyez, il y en a 62 de gratuits qui sont téléchargeables. Du coup, que vous pouvez appliquer sur votre stream tranquillement. Et donc ça, c'est pour la partie gratuite. Mais il y a aussi deux sites qui sont du coup Nerd or Die, donc qui est très connu pour la partie gaming généralement. Donc il y a un site, là par contre c'est des overlays généralement payants, donc qui coûtent entre 10 à 30 euros l'overlay en moyenne, qui va comprendre aussi bien l'interface de votre stream, mais aussi tout ce qui est la configuration, donc tout ce qui est le design des alertes. Donc par exemple pour ceux qui utilisent Streamlabs, les alertes Streamlabs, ce site là fournit des designs d'alertes aussi, donc ce qui va un peu rendre plus joli vos alertes que les alertes standards avec la simple gif animé, pas très sympa. Donc il y a Nordai ou il y a Fiverr où là vous pouvez carrément payer un designer qui vous fait un truc sur mesure, donc il y a tous les prix, en fait c'est des designers indépendants, et là vous avez tous les prix possibles, à vous trouver le designer qui vous intéresse et vous fera quelque chose à votre image selon vos souhaits. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça, parce que c'est vrai que la semaine dernière j'avais pas montré ça, et je voulais montrer ce soir que YouTube est une bonne plateforme pour trouver des designs, mais qu'il y a deux sites qui existent aussi pour en trouver... un peu plus professionnel, on va dire, que standard sur YouTube. Du coup, en termes d'audio, alors ce soir, ce que je vais vous expliquer très rapidement sur l'audio, je vais vous montrer un petit peu le matériel, ce que moi je recommande
pour faire un bon stream avec une bonne qualité audio. Donc déjà je préfaire hop, parce qu'il n'y a pas besoin de grand écran. Du coup il y a quelques matériels que j'ai référencés de mon côté cet après-midi. Donc en termes de micro déjà, parce que oui vous êtes DJ par exemple, mais pour moi il vous faut un micro. Il vous faut un micro parce que c'est sympa de vous voir mixer, mais comme je vous ai dit c'est très sympa aussi à la fin de pouvoir discuter ensemble. C'est-à-dire que vous allez répondre au micro et votre public va vous répondre à l'écrit par le chat. Ou aussi, ça peut être tout simplement pendant que vous mixez, quelqu'un m'a, par exemple, pour vous faire une request, vous dire « Tiens, tu peux pas mixer ça avec ça ?» Et puis voilà, vous allez pouvoir répondre en mode « Oui, je vais le faire » ou « Non, je le fais pas », etc. Ou « Je verrai ça après ». Voilà, il vous faut un micro. C'est super important, je trouve, pour l'interaction. Je trouve ça très dommage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ qui stream finalement. Et qui discute pas avec la communauté finalement en dehors du chat, c'est un peu dommage. Vous avez une voix, vous avez un micro, servez-vous-en. Ou les dédicaces, tout à fait, Stunter. Donc n'hésitez pas à utiliser les micros, c'est vraiment ce que je recommande. Et puis voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc pour les micros, ce que je recommande, donc j'avais fait un petit peu divers budgets. Donc d'abord il y a la... Donc là je vais vous recommander un micro qui est en USB, ce qui vous évitera d'acheter beaucoup de matériel, parce que sinon il faut beaucoup de matériel. Donc le micro que je recommande en USB c'est le Bird UM1, qui est un très bon microphone, donc qui est à peu près à 80€, donc il est pas trop cher. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, il a un bon rendu de la voix. Et du coup vous branchez juste en USB et c'est directement détectable sur OBS ou sur vos logiciels vocaux comme Discord, etc. Donc voilà, vous l'avez ici. Donc pour le moment, donc comme on sait, on est en Covid, donc certains périphériques que je vais montrer peuvent être un peu compliqués à acheter, mais en tout cas ça va vite se déboucher prochainement. Voilà, le Bird UM1 est un très bon micro d'entrée de gamme. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui diffusent un live qui est pré-enregistré, donc une vidéo, c'est pas très grave en fait. Vous pouvez faire une session d'échange à la fin de cette vidéo ou même pendant la vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une vidéo qui tourne, que vous pouvez pas mettre un micro sur OBS et discuter avec votre chat en live. Ça peut se faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du React en live. Donc profitez de cette opportunité d'avoir des micros et de pouvoir interagir avec votre public, parce que c'est le but du streaming en fait, c'est l'interaction. Du coup voilà, le Bird UM1, très bon microphone, plug and play, c'est comme ça qu'on l'appelle, pas très cher, je pense que ça correspondra à peu près à tous les budgets, et comme l'a dit Jimmy Guido, c'est le micro que je lui ai recommandé, et il est très satisfait par ce micro, je l'ai eu également, donc en tout cas, un bon micro d'entrée de gamme. Ensuite, on va partir sur un micro un peu plus qualitatif, et là par contre le budget est aussi plus qualitatif, on va partir sur le Scarlett. Donc les micros Scarlett, qui est une très bonne marque, très reconnue, utilisée par beaucoup de youtubeurs et streamers, on en fait plus sa pub aujourd'hui. Ils ont fait un pack où en fait ils vous offrent la carte son, un casque et un micro à 210€. C'est très très correct, le micro il est hyper bonne qualité, donc bien plus qu'un Bird UM1, pour un prix qui finalement n'est pas excessif à 210€ je trouve. Et là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous allez brancher votre micro du coup sur le petit boîtier rouge, et le boîtier rouge sera relié en USB à votre ordinateur et ça sera directement intégré dans votre OBS ou votre logiciel vocal. Donc voilà, ça c'est aussi un bon micro à un prix un peu plus cher, mais super intéressant en termes de qualité. Ensuite, dernier pack que je vais vous montrer, et là c'est pour ceux qui ont, donc c'est le pack intermédiaire entre le UM1 et celui-là, parce que celui-là c'est 210€, le UM1 c'est à peu près 80€, donc là j'ai un pack intermédiaire mais qui demande un peu plus de matériel. Donc il va falloir d'abord une table de mixage qui va vous servir en fait à rentrer le son du micro, à avoir un equalizer aussi. Donc ceux qui ont des platines, généralement vous avez un port dédié pour le micro. Selon les platines que vous avez, ça va être plus ou moins de bonne qualité. Donc à vous de voir si vous avez des bonnes platines ou pas. Sinon, en tout cas, vous avez cette platine-là qui est à peu près à 49€, qui est une entrée de gamme très 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 bonne qualité et qui suffira amplement à utiliser votre micro.
Et ensuite, il vous faudra du coup acheter un micro XLR. Et là, pour ça, je vous commande du coup le Rodemic Podcast Micro, qui est trouvable à 100€ en moyenne, qui est très très bonne qualité également, et que du coup, vous allez relier du coup votre table mixage qui sera connectée en USB ordinateur. Donc ça, c'est pour le pack intermédiaire. Là, vous en avez à peu près pour 150€ en moyenne. C'est un peu moins cher que les 210€ de la Scarlett. En tout cas, celui-là, si vous avez des tables de mixage, 100€, vous le branchez à votre table de mixage, c'est très raisonnable et c'est une très très bonne qualité, un micro très réputé, c'est du Rode. Ils sont spécialisés dans l'audio, donc n'hésitez pas à vous en servir. En tout cas, pour l'intégralité des micros que je viens de vous montrer, que ce soit le UM1, que ce soit le Scarlett ou le Podmic, les trois micros n'ont pas de pied par défaut, n'ont pas de support. Et ça, c'est volontaire de tous les fabricants, parce qu'en fait, ils sont là pour construire les micros, pas pour construire les supports. Il y a certains micros qui offrent les supports avec. Bon, généralement, c'est pas des très très bons micros. Du coup, il faut en acheter un séparément. Et là, vous avez toutes les sortes, mais bon. En tout cas, moi, je vous conseille un support assez standard à 13€ sur Amazon. Ça suffit amplement. Donc, c'est un support bureau, vous le vissez. Et votre micro peut être tiré sur un bras. Donc, c'est comme j'ai ici. Bon, moi, c'est un peu plus cher que ça, pour ma part. Mais en tout cas... voilà, il vous suffit simplement d'acheter un support lambda avec une vis et vous pouvez y fixer votre micro et ensuite le relier à votre ordinateur derrière. Du coup, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Oui, j'avais d'autres choses à dire, tout à fait. Donc ça, c'est super intéressant. Par exemple, quand vous mixez, vous mettez ce bras-là à côté de vos platines sur votre table, par exemple. Le micro, il est au-dessus de votre platine. Comme ça, quand vous parlez comme moi, là, vous parlez là. Et ça ne vous embêtera pas sur le bureau, genre de choses. Il est en hauteur, ça ne gêne personne et vous pouvez interagir directement dessus. Dernière chose que je peux dire au niveau de l'audio, c'est VoiceMeter. Donc VoiceMeter, plutôt le banana, c'est un programme que j'utilise qui est en fait une table de mixage virtuelle, software, qui va vraiment vous permettre de gérer parfaitement l'audio dans votre stream. Donc, je vais essayer de le survoler très rapidement parce qu'il est assez complexe. Je vais juste vous expliquer en tout cas moi mon fonctionnement avec, ce que d'autres streamers en font aussi, parce que c'est super intéressant comme logiciel. Donc voilà à quoi ressemble du coup le logiciel. Attends, je regarde sur le stream. Yes. Je vais mettre en grand écran. Donc c'est généralement quelque chose qu'on utilise un peu plus quand on fait du gaming, plus que du DJing. Mais pas que. Ça peut quand même être utilisé en tant que DJ. Donc VoiceMeter en fait c'est un logiciel, donc c'est une table mixage software comme j'ai dit, qui permet d'avoir en fait des entrées et des sorties. Et en fait, ces entrées, donc ici vous en avez au nombre de 5, 3 assignables et 2 par défaut, et vous avez 5 sorties. Du coup, les entrées, on va y mettre par exemple tout ce qui est micro, principalement. Donc vous voyez que moi ici j'ai 2 micros, un à gauche et un à droite, donc là j'ai le micro de ma table de mixage, et j'ai le micro casque, donc ça me permet de switcher entre l'un et l'autre, tout simplement, quand je mets mon casque ou pas. Et j'ai une troisième entrée qui est un câble audio virtuel que j'expliquerai après, qui est en fait pour moi, pour ma part, la musique. C'est là-dedans que je mets la musique, et que vous entendez du coup la musique du stream. Ensuite j'ai deux pistes d'entrée, donc là ça me permet en fait de séparer les entrées audio en termes de logiciel vocal et de jeu, parce que je veux pas forcément que sur les streams on entende le vocal. Et du coup, comme ça, sur le stream, je peux dire quand vous allez entendre mes coéquipiers ou pas. C'est un choix volontaire. Il y a des fois en fait où on va dire des choses et on veut pas que ça s'entende sur le stream. Donc ça peut être aussi sympa si vous diffusez de la vidéo sur un stream. Bah, votre PC va être monopolisé pendant cette période-là. Et c'est un peu dommage en fait de se dire bah pendant par exemple, une heure, je vais pas pouvoir toucher mon PC bah, parce qu'il est monopolisé par le stream et que si je mets de l'audio, etc., on va l'entendre. Bah, ce logiciel-là va vous permettre en fait de séparer les sorties audio et du coup de faire en sorte que vous puissiez votre PC pendant qu'il stream la vidéo et de faire autre chose en attendant sans que ça dérange personne. Du coup, moi j'ai tout splitté et ensuite j'ai 5 sorties et en fait il y en a 3 qui sont physiques, donc qui vont être les haut-parleurs et mon casque. Donc c'est un peu le même principe, ça me permet aussi de switcher entre mes enceintes et mon casque sans avoir à toucher à Windows. Je touche juste ici. A1 c'est le casque, A2 c'est les enceintes, et je décoche ou coche ce que je veux qu'ils sortent dans les enceintes ou non. Ça vous permet aussi d'avoir du coup un retour du micro. Si par exemple j'activais A1, bah là en fait dans mon casque je m'entendrai, du coup j'aurai mon retour de micro. Et les virtuels en fait c'est ce qui est envoyé sur le stream du coup. Donc j'ai ma piste micro qui est en B1, et j'ai la piste musique et du coup du chat de Solène qui est sur le B2.
J'essaierai de faire plus tard peut-être une vidéo ou un stream qui en parle un peu plus en détail, parce que je pense que pour ceux qui veulent faire un peu de gaming ou qui veulent un peu séparer les sorties audio, ça peut être super intéressant. Après, il y a pas mal de vidéos déjà sur YouTube qui sont disponibles pour apprendre à le maîtriser. Mais c'est super sympa comme logiciel, c'est beaucoup utilisé par les streamers. Voilà. En tout cas, je tenais à en parler. Sachez que ça existe. C'est un peu compliqué à mettre en place au début, mais une fois que c'est mis en place, c'est super efficace. Et ça vous permet surtout aussi de mettre de l'égalisation, encore une fois. Surtout, par exemple, le Burn Human, qui est un micro USB uniquement, donc il n'a pas de table de mixage. Vous pouvez pas, en fait, un peu le pitcher en termes de grave, etc. Donc en fait, vous allez pouvoir jouer ici avec cette case-là pour un petit peu bouger simplement l'égalisation du micro et avoir une voix un peu plus propre en résultat. Voilà, en termes d'audio, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en tout cas. C'est surtout de toute façon, il faut acheter du matériel. La table de mixage peut vous servir pour le micro, mais aussi pour rentrer vos platines dessus par exemple. Mais en tout cas, prenez un micro, parlez avec vos viewers, c'est super important à mon sens. C'est parce que vous êtes DJ que vous pouvez pas discuter. N'hésitez pas à avoir des échanges pendant vos lives. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, Solène ? Négatif. Ok. Pas de questions. Tu peux passer à la lumière. Yes. Et du coup, on va passer au dernier sujet, la lumière. Alors, la lumière, je vais essayer d'en parler très rapidement. Donc, même principe, je vais essayer de vous montrer deux kits à des prix un peu différents. Donc, un entrée de gamme, un plutôt assez cher. Et vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc, comment bien les placer pour que ce soit assez efficace. Du coup, il y a le premier kit qui est du coup les softbox de Neuer, je crois que c'est Neuer, ouais, c'était plus eux, enfin en tout cas il y en a plein qui font les packs comme ça. Voilà, pour 60€ vous avez 3 softbox. Donc les softbox, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des lumières que vous allez brancher sur secteur avec des ampoules blanches. Donc comme là j'ai sur mon mur, c'est très blanc, c'est fait en sorte pour que ça soit très neutre. Et simplement vous allez pouvoir en fait les placer du coup autour de vous pour vous éclairer. Comme je le dis toujours, et ce que tout le monde vous dira dans la vidéo, un bon éclairage fait toute la différence. Ça va aider votre webcam à avoir une meilleure qualité, ça va aussi rendre du coup vous rendre aussi plus visible sur le stream. Donc il faut un petit peu investir dans la lumière, ça c'est un fait, vous n'avez pas le choix. Et franchement, je pense que 70€ pour avoir un kit starter, c'est abordable pour tout le monde à ce jour. Vous demandez ça à Noël, à votre anniversaire, je sais pas, vous débrouillez. C'est un prix assez dérisoire, je pense. Et vraiment, ça va vraiment changer votre stream. Plutôt que vos ampoules au plafond, ce genre de choses qui sont assez tamisées, parce qu'en fait, c'est le but des ampoules qu'on met au plafond, c'est que ça soit tamisé parce qu'on veut pas quelque chose d'agressif. Bah, en fait, quand vous filmez en train de streamer, on veut quelque chose d'assez agressif finalement. On veut vous voir clairement et que votre caméra puisse vous aider à vous voir clairement. Donc, on va investir dans l'éclairage. Donc, là, vous avez un premier qui est à 60€ qui est très abordable. Qui va vous permettre vraiment de répondre à tous les besoins possibles pour votre stream. Donc je vais vous montrer un exemple avec un fond vert. Voilà. Donc ça c'est la disposition de l'éclairage que vous devriez avoir quand vous avez un fond vert. Ou un fond, enfin, même idéalement sans fond, il faudrait que ce soit comme ça, mais on va dire que c'est à minima pour le fond vert. Du coup vous avez deux softbox en fait qui sont mis en diagonale devant vous, donc en fait qui vont se croiser pour vous éclairer de face. Et vous avez une troisième ou une autre petite lumière, enfin quelque chose qui va en fait être derrière, donc c'est ce que j'expliquais la semaine dernière sur le fond vert, qui va permettre en fait de vous détacher complètement du fond vert, ce qui va faire qu'en fait ça va vous rendre plus net pour la caméra et faire en sorte que le fond soit beaucoup plus détecté pour être retiré du stream. Donc ça c'est la disposition, donc ici il y a la caméra, vous mettez vos platines à peu près au milieu ici, voilà, c'est la disposition. Donc il ne faudra pas hésiter à reculer les lampes pour que ça puisse pas trop vous éblouir, que vous ne soyez pas trop blanc aussi à l'affichage, et ça vous permet aussi du coup de diminuer le fameux paramètre sur la webcam, donc le... j'ai oublié son nom, parce que je ne l'utilise pas tout le temps, parce que je suis sur une caméra, l'exposition, voilà. Ça vous permet aussi du coup, grâce à cette lumière, de pouvoir diminuer l'exposition et du coup d'avoir une image beaucoup plus fluide en termes de caméra. Donc voilà, il faut mettre normalement deux lumières vraiment en diagonale face à vous et une lumière derrière qui vous détache du fond. Ça c'est l'idéal. Maintenant, je suis d'accord que tout le monde n'a pas la place
pour avoir cette disposition là, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que vos platines ou ce genre de choses soient en plein milieu d'une pièce entre guillemets, ce que tout le monde ne peut pas faire, hein. Je suis totalement d'accord avec vous. Dans ce cas là vous allez faire en fait le même principe que moi, et le même principe que moi c'est tout simplement, alors attendez je vais vous l'afficher parce que voilà, tac. Voilà, vous allez faire le même principe que moi, c'est-à-dire en fait que vous allez utiliser un mur tout simplement pour réfléchir la lumière. Alors, attends, hop, voilà. Vous allez utiliser un mur pour réfléchir la lumière. Donc en fait, ce qui va se passer, hop, c'est là, imaginons vous avez le mur qui est en haut. Donc vos platines sont contre un mur, ce qui est, je pense, la plupart des cas pour tout le monde. Vous allez mettre en fait une softbox à droite et à gauche de votre platine, ou une seule même. Même une seule déjà, c'est suffisant. Une seule, ça fait déjà bien la différence. Et vous allez en fait éclairer le mur, comme je vous l'expliquais, ce qui va faire réfléchir la lumière sur vous, et du coup vous éclairez correctement. Alors là du coup ça fait que vous n'avez pas besoin de bloquer vos platines, du coup vous ne serez pas éclairé de face, mais la réflexion du mur va vous éclairer correctement, ça sera largement suffisant. L'idéal c'est d'en avoir deux, maintenant si vous n'avez pas la place, mettez-en au moins une, donc du coup vous allez en payer que une. Et ça vous coûtera moins cher en plus. Et du coup, ça vous éclairera suffisamment pour la caméra qu'elle puisse ne pas avoir à compenser la mauvaise luminosité de votre pièce. Maintenant, ce kit d'éclairage là, comme c'est les ampoules, ça chauffe beaucoup la pièce. Là, vous le sentez pas, vous. Moi, par contre, là, j'ai super chaud parce que j'ai le PC qui tourne, j'ai la lumière qui tourne, donc j'ai très très chaud. Ça c'est dû aux ampoules et il n'y a pas d'autre solution. L'autre solution c'est d'acheter des lumières LED, donc c'est des panneaux LED, et là c'est un peu plus cher. Yes, c'est sûr, c'est un peu plus cher. Là on est plutôt sur une lumière autour de, alors ça peut aller de 80€ pièce à 120€ pièce en moyenne pour les entrées de gamme, hein. Je parle bien pour les entrées de gamme, donc c'est à dire que plus vous allez vouloir la quitter, plus ça va coûter cher. Ça c'est des LED, et l'avantage des LED c'est que ça, déjà ça ne chauffe pas, donc vous n'allez pas subir cette chaleur, parce que moi c'est mon PC, mais vous ça peut être vos platines qui vont chauffer par exemple, ça arrive qu'il y ait des platines qui chauffent, et puis on n'a pas voulu vous voir en sueur, hein. Enfin même si normalement une prestation fait que vous avez sué, mais voilà, si vous voulez pas subir cette chaleur et du coup devoir foutre un ventilateur qui fait que ça va faire du bruit dans le micro, etc., bah vous allez essayer de réduire déjà la chaleur environnante et du coup de prendre des kits LED. Du coup ça c'est des LED qui sont très flashy, hein, qui vont vraiment bien éclairer. L'avantage aussi c'est que vous allez pouvoir les mettre devant vous et régler l'intensité de la lumière, là où les softbox en fait c'est de la lumière continue, donc vous pouvez pas régler la puissance de la lumière. Sur les LED vous pouvez régler la puissance, donc aussi vous pouvez faire en sorte que ça vous éclaire pas trop, vous n'êtes pas du coup complètement surexposé. Et voilà, du coup il y a ces kits qui existent sur Amazon, qui sont assez onéreux quand même, hein, faut pas se mentir. Ici vous voyez qu'on peut les avoir à 90€ pièce. Même principe, elle peut être mis sur pied, elle peut aussi être mis sur bras, hein, les fameux bras micro, vous pouvez mettre des lumières dessus, hein, ce qui fait que ça vous prend pas de la place sur le côté, etc. Voilà. Et elles sont aussi pilotables par smartphone généralement, donc ça vous permet aussi de pouvoir jouer avec de la lumière, donc mettre des couleurs, etc. Donc un peu varier votre stream, que d'avoir que du blanc, vous allez pouvoir mettre du rouge, du bleu derrière vous, ce genre de choses, et essayer de vous amuser avec ça. Là c'est un certain coût, mais ça fait vraiment la différence, et la qualité de la lumière elle est largement augmentée par rapport à les fameuses softbox. Et aussi ça prend beaucoup moins de place, parce que les softbox ça prend énormément de place, parce qu'en fait c'est des sortes de parapluies qu'on déploie, avec laquelle on va visser l'ampoule dedans, on va la mettre sur un pied. Là vous voyez c'est tout plat, c'est assez fin finalement, à part brancher la foule sur un pied ou sur un bras, voilà vous êtes terminé. Là où les softbox ça prend un peu plus d'espace déjà en largeur, donc si vous êtes proche du mur ça peut être un peu gênant. Voilà, c'est à peu près tout moi ce que j'ai à dire en termes d'éclairage. Juste investissez dans l'éclairage, c'est super important. Ça va vraiment aider votre caméra, comme je vous l'ai dit, et ça va vraiment vous enlever cette épine d'effet de webcam qui saccade. Surtout si par exemple vous souhaitez utiliser votre téléphone qu'on n'avait pas la semaine dernière. Le téléphone, son capteur, il a du mal à gérer la basse lumière quand vous essayez de filmer à distance en mode webcam. Donc compensez avec la lumière, et vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer en termes de qualité d'image. Déjà pour vos viewers, et même pour vous, ça va être beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup plus agréable. Voilà. Ok. J'ai beaucoup parlé, désolé, hein, ça a pris... Non, mais c'était le but, hein, une démonstration. Regarde, j'ai pris mes petites notes pour streamer plus tard sur OBS.
Yes. Je ne sais pas si les personnes qui nous suivent ont des questions. Pour ma part, non. Merci beaucoup, en tout cas, Steve. Je pense que c'était bien clair. Mais toi, du coup, tu as tout ce matériel, notamment les parapluies du coup, pour la lumière et tout, pour ton métier également, tu t'en sers pour la photo ? Oui, oui, c'est plutôt pour la vidéo, mais oui, effectivement. Enfin, à la base, effectivement, j'avais ce matériel parce que je faisais de la photo il y a très longtemps, que maintenant j'ai utilisé plutôt pour la vidéo. Effectivement, en vidéo, on utilise ce genre de matériel. Par contre, l'avantage des LED, c'est qu'elles peuvent aussi marcher sur batterie, les panneaux LED. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour nous en termes de vidéaste, parce que du coup, on peut les transporter dehors, etc. Et tout ce qui est caméra, effectivement, vu que c'est mon métier, j'ai la chance de pouvoir avoir la meilleure qualité possible lors de mes streams. Mais souvent, faut pas hésiter en fait à commencer petit. Donc, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué la dernière, utiliser son téléphone, etc. Et petit à petit, il y a des gens qui vont essayer de vous aider, qui vont vous dire « Tiens, si tu veux, j'ai une webcam » ou « Tiens, je vais faire un petit don pour que tu puisses acheter du matériel. » Et c'est comme ça que vous allez grossir petit à petit. Il ne faut pas vouloir avoir la meilleure qualité tout de suite. C'est comme les overlays, etc. C'est pas très grave si au début, c'est pas très joli. Le but, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez réussir à évoluer votre stream en sorte que ça soit de plus en plus professionnel, de plus en plus qualitatif pour le plaisir de tout le monde. Déjà pour votre plaisir à vous, parce que vous allez vous dire « Putain, j'ai réussi à faire ça, c'est complètement incroyable. » Et aussi parce que vos viewers ils vont arriver, ils vont dire putain, c'est ce qu'il a fait, c'est incroyable et c'est trop beau à voir quoi. Donc voilà. Et ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent que c'était super intéressant et qu'ils ont appris plein de trucs. Donc merci beaucoup à toi, Steve, c'était vraiment cool. La semaine prochaine, on vous retrouvera sur Masterclass pour une soirée un petit peu basée et axée sur la composition musicale. Donc, c'est pas vraiment lié au stream, mais en tout cas, toujours lié au hardstyle et à la musique. Donc, hâte de vous revoir. N'hésitez pas, du coup, à suivre Steve sur les réseaux, yes. À nous suivre également, Artpulse, bien évidemment, Masterclass, pour toutes les infos qui vont suivre et nos nouvelles formations qui vont sortir. Et en tout cas, je te remercie vraiment, Steve. Les gens sont contents. Franck, merci également. Merci de l'invitation encore et n'hésitez pas, comme j'ai dit la semaine dernière, à venir me solliciter en message privé pour toute question, que ce soit pour améliorer votre stream ou pour les questions techniques, ce genre de choses, du show de matos, etc. Il n'y aura pas de problème. Vous me contactez sur ma page et je vous répondrai avec plaisir. C'est parfait. Merci beaucoup à tous et bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Salut. Symphony of Shadows.
shadow.